notre côté pouvoir prendre aussi le relais niveau vidéo, mais... Le problème, c'est qu'il y a un truc à brancher. Ah, alors attends. EDF est sur le coup. Voilà. Mais bon, voilà, pas, on est là. Oui, là, bah, vous nous avez donné une demi-heure de plus si on n'était encore pas OK. Attendez, parce que nous aussi, on a des trucs qui apparaissent en plein milieu de l'écran, donc on va s'en sortir. Mais oui. Ah, qu'est-ce attends, il y a un interrupteur à pousser. Là, il et va voilà. Inverser les défibrillateurs. Voilà. Parce que du coup, il y a un angle de caméra qui est tip top. Le temps d'inverser les transmetteurs de face. Je devais être avec mes copains derrière et finalement, j'ai un petit problème de coup qui fait que je peux pas me déplacer derrière. Je ne peux pas se lier au commun du peuple. Jolie fermeture de porte. Très belle fermeture de porte. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui écoutaient ça avec un casque. Non, non, c'est bon, ça allait. Parce que du coup, je vais pouvoir me retirer et me retourner. La question également est, est-ce que du coup, vous allez faire le live sur YouTube? Parce que moi, je suis chaud là, j'ai juste un bouton appuyé, on voit le YouTube. Si je lance le live sur YouTube, je lance OBS à la seconde et il va peut-être falloir que je coupe Hangout. C'est si toi, t'en as envie, quoi. Tu peux couper Hangout. Moi, je veux bien, mais apparemment, il va peut-être falloir que je coupe Hangout. C'est-à-dire que, en fait, t'as le choix, soit... Est-ce que ça vous gêne si je coupe Hangout? Bah non, si tu fais le live à côté... Eh bah, ah, il a coupé. Voilà. Si tu fais le live à côté, moi j'ai une scène TechCraft où là, pour l'instant, il est marqué diffusion en direct hors connexion et qui devrait se déclencher quand tu... Quand tu seras prêt. Quand tu seras ça, prêt. C'est moderne. Ah bah, ça, je rediffuse... Oui, dès que j'arrive en webcam, la webcam ne veut pas se mettre en route. On va tout couper. Est-ce qu'on te met un live, c'est génial. Est-ce que tu nous dis quand t'es prêt, on te met un jingle et après toi tu fais ce que tu veux. Non, pas ce jingle là. Et nous on est prêt à commencer la div sur Techcraft sur live.techcraft.fr. Ok, et ben on te balance le jingle de pod nuit et après on te donne l'antenne. Est-ce que Bazan t'es prêt? Il est prêt, il a fait des. C'est bon. On dit un truc et on est parti. C'est parti pour moi. Bonjour à tous et bienvenue à vous à l'épisode hors série de TechCraft pour Pod Nuit. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Benzen et j'ai une bière et c'est TechCraft hors série. Et c'est TechCraft hors série. Là théoriquement je l'ai lancé, hein. Ça fait déjà 3 secondes que ça tourne. Non, c'est TechCraft test, c'est marqué. Il y a marqué TechCraft test sur ta vidéo. Parfait. Franchement. C'est en train de tourner là. Et c'est TechCraft hors série, donc avec des bugs qui ne sont pas de série. Vous me faites vachement bien, c'est impressionnant. C'est faux, mais on s'en branle. La technologie, c'est sympathique. On fait du volume sonore. Mais bon aussi. Alors, on la refait. Alors, attention, juste pour info, Kenton, il y a marqué test sur votre live vidéo. Il y a marqué. Oui, t'inquiète, c'est normal. D'accord. Voilà, je vais bisous. Voilà, ça tombe bien. Bisous cordialement. Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce hors-série de Tekra spécial pod nuit où, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec Benzen et JNBR et c'est TechCraft. Hey, craft.
Et voilà encore un hors-série de TechCraft qui se passe dans Pod Nuit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul, je suis avec Benzen et GNBR. Salut les mecs, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire qu'on a probablement préparé l'émission la moins préparée de France aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que si tu te bases sur mon travail, effectivement, puisque je n'ai strictement rien préparé, mais j'ai envie de te dire que c'est l'ambiance Pod Nuit, puisque oui. Tu vois, regarde, je n'ai même pas pensé à lancer le Alors, excuse-moi, juste pour qu'on soit clair, est-ce que tu es en train de traiter tous les autres, nos prédécesseurs et successeurs, de branleurs ou... Oh, non, non, justement, je suis en train de dire que moi, d'habitude, je bosse, si c'est et l'ambiance Pod Nuit de rien préparer, je veux dire, voilà quoi, c'est bon, soyons clairs tout de suite. Attends, je vais lancer la musique de Bête Sonore, tout ça. T'as cru qu'il nous ait bossé en tant que bénévole en plein milieu des vacances et qu'on allait rien dire. C'est pas payé en toi, t'es payé ? Bah je sais pas, moi il me semblait moi, que je suis pas payé. J'ai une bière. C'est toi. Nous on, okay, on a donné l'enveloppe à Kenton. Non, personne n'est payé, okay, bien sûr, bien évidemment, hein, personne n'est payé. Ouais, bah bravo. Je retiens. Moi de mon temps, on était payé. C'est ça. Alors j'essaie de lancer désespérément le bed sonore, mais bien sûr, comme tout aléa technique, il faut que ça vienne toujours au même moment. J'ai envie de vous dire, on reste sur la lignée du dernier épisode, qui s'est passé sans aucun trouble. C'était d'une fluidité éblouissante, ahurissante. Oui, le dernier épisode de la saison était catastrophique, hein. Oui, catastrophique, c'est l'autre terme qui s'applique. Et alors d'ailleurs, je dis, je ne suis pas seul, je suis avec Benzen et JNB, mais il me semble qu'il y a une partie du studio Bad Geek qui pourrait éventuellement être là. Vous êtes les bienvenus si vous êtes sage. Et si vous n'êtes pas sage, on vous apprécie quand même. Non, ils en ont profité pour aller boire des coups. Bon, bah voilà, c'est pas grave. On peut pas vraiment les blâmer. On peut pas vraiment compter sur eux. En toute honnêteté, on peut pas vraiment leur jeter le blâme. Parce que c'est à peu près ce qu'on a fait quand eux ont tenu le live. Alors, on a écouté religieusement à un niveau minimum. Le patron est allé faire ce qu'il fait dans son bureau. Je veux dire, on n'est pas là pour juger, on n'a pas apte à... Voilà, mais nous, on est restés sagement. Ouais. Regardez. Oh là là, on voit des trucs sur... Ah oui, effectivement, là, quand on lance le live chez eux, alors, on voit que c'est la foutre, fête, ils n'ont rien à branler de TechCraft. Quoi. Donc là, vous pose, voyez quoi, pas, effectivement, mais nous, on ils voit... des que... bières. Quoi, donc, on est d'accord qu'on a freestyle pour foutre le bordel sur live. C'est là. Génial, et j'ai des blagues racistes, là. Peut-être pas. Peut-être pas à ce point-là. Parce que c'est quand même, on est sous l'effigie TechCraft quand même. Mais, ah bon, zut, pardon. Voilà. Alors, des blagues racistes, oui, mais il faut que ce soit technologiquement justifié. Alors, par contre, ce qui est très étrange, c'est que j'avais fait un beau cadre. T'as vu leur live, hein, pas, un beau cadre vidéo, et en fait, il ne se reproduit pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas, et on ne voit pas GNBR, on voit que Benzen. En même temps, est-ce que c'est pas le plus important ? Si tu parlais bien dans ton micro, je te dirais oui, pour, mais là... Pour information, il y a aussi important. 4 secondes de décalage entre le son que nous on a de côté Mumble et vous, votre image. Donc nous, sur le live Pod Nuit, ça donne des trucs un peu bizarres. Oh bah oui, mais c'est pas grave, mais t'es là en tout cas. De quoi ? Pof, mais vous êtes là en tout cas. Oui, bah on est là. On est là. Ah oui, je sais pas, parce que vous avez dit que vous participiez, mais quand j'ai dit on n'est pas seul, il n'y a plus personne qui répondait. Et ben, parce qu'on écoutait religieusement à ce moment-là. Ouais, on n'a pas sûr, dû comprendre. Et on est un peu fatigué, hein. Oh. J'étais en train de lire des gens qui se battent sur Twitter en plein milieu d'un live. Ouais, ça a piqué. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ouais, c'est ça. C'est café, Jean-Pierre. Bon, en tout cas, on pourrait peut-être passer aux news high-tech. Alors, est-ce que je peux me permettre une remarque ? Parce que je crois bien que bien c'est sûr, l'intro la plus longue. Je crois bien que c'est l'intro la plus longue qu'on ait jamais faite dans TechCraft. Ouais. Ah, ouais. Pas sûr. Mmh. C'est pas non. Sûr. Bon, bah, en tout cas, on passe aux news high-tech du coup. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone ? Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech ? C'est plus de mon temps tout ça. Je vais donc passer la parole à notre correspondant Monsieur Bière en direct de la campagne. Monsieur Bière. Oui, bonjour. Bah, effectivement, parce que bon, j'ai envie de dire que là, à un moment, il faut être sur le terrain, il faut être un peu en France, un peu dans les régions, voir un peu ce qui se passe. Donc on fait des news, Elon Musk, patati patata, en veux-tu, en voilà, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe un peu dans nos régions ? Est-ce qu'il y a de l'innovation ? Est-ce qu'il y a de la technologie ? Écoutez, je suis allé voir, grâce à un savant mélange de mots-clés, à base de village et de technologie et d'innovation dans Google Actualité, et j'ai trouvé, effectivement, dans les derniers mois, en tout cas, même mois de juillet, quelques petites news liées à la technologie régionale. Et c'est ça qui est important aussi, un petit peu de respect. Un peu de terroir et de savoir-faire. Mais exactement. Alors... J'ai commencé tout doucement à bookmarker un petit peu, comme on dit dans le jargon, si vous me corrigerez, si je me trompe. Je suis pas itinérant du sud, nationalisé au nord, si tu veux, je connais pas trop les savoirs. Bookmarker, c'est le terme qu'on utilise sur LinkedIn. Je saurais pas dire l'occitan. L'occitan de bookmarker.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve un petit peu quand on regarde un petit peu les news? Et bien déjà, on trouve un article de 20 minutes publié le 10 juillet 2019. C'est quand même un long article à lire, du coup. Mais c'est un gros article à lire, et c'est pour te dire à quel point j'ai tellement préparé ma news, c'est que j'ai la page sous mes yeux. Donc, depuis plus de 2 mois, il y a plusieurs communes du sud de la Haute-Garonne qui sont désormais couvertes par un réseau de téléphonie mobile. Oh! Est-ce que ce serait pas là une petite révolution? Tu veux dire genre comme internet mais pas avec un câble Ethernet, genre avec un téléphone? Un smartphone, un téléphone portable. De ouf, mais ça capte. Ceci est une révolution. Mais je te jure, alors là ça veut dire que on n'a plus les textos qui arrivaient 2 jours après, on n'a plus l'obligation de sortir la commune pour ne plus être en zone blanche, en essayant de rester immobile pour pas perdre la connexion. Ça c'est plutôt sympa. Donc on a fêté un petit peu le blackout dans cette partie du Comminges, du coin en tout cas, comment ça s'appelle, puisqu'ils ont inauguré le pylône qui les a délivrés. Je cite vraiment l'article. Oh, mon Dieu. Êtes trop aimable. Et pourtant, c'était un village qui n'était pas référencé en zone blanche, mais après avoir remué ciel et terre, on a la persévérance du maire Pascal Milesi qui a payé. Ça se fait pas trop de remuer les laitières, c'est assez mal vu en général par les laitiers. Donc le maire, il a réussi à faire le nécessaire pour que tout le monde ait du réseau dans le coin. C'est un engagement qui date de mars 2015 et qui visait 300 centres-bourgs en France. Alors, sans vouloir être mauvaise langue, et ce serait pas genre une espèce de promesse électorale qui arriverait à point nommé avant les élections municipales? Je veux dire... Écoutez, on peut en débattre. Mais je voudrais pas être mauvaise langue, ça reste un beau geste, ça reste une mobilisation municipale. Écoutez, jugez du beau geste, puisque dans le département, c'est le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique qui s'est occupé de construire dans les secteurs attention, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 6 pylônes de téléphonie mobile qui assurent désormais la couverture de 8 communes. Et je me permets de vous les citer: Baïssou, Cobou, Héran, Frontignan de Comminges, Saint-Pédardé, Latou, Montbéreau et Antichamp de Frontigny. Ça ne s'invente pas. Antichamp de Frontigny. Je suis sûr qu'on entendra parler de ce bled plus tard. De ce charmant village. On entend parler de ce village, en tout cas, dans 20 minutes, Toulouse. On n'est pas un petit peu dans le... Au cœur de la high-tech. Au cœur de la high-tech, au cœur de la news, au cœur de l'actualité. Voilà. Dans ce dernier village, d'ailleurs, et je le reprends le nom, Antichamp de Frontigny. Est-ce que c'est pas... C'est chantant. Ça chante à l'oreille. Bernard Dumeil, le maire, il ne boude pas son plaisir de pouvoir répondre n'importe quand sur son portable, même si pour l'heure, on n'est qu'en 3G+. Genre, même de nuit? Même de nuit. N'importe quand. Ouf. Truc de malade. Un truc de dingue. Donc voilà. Mais il relativise un petit peu. Hein. Il dit bon... Alors, écoutez, patron, vous faites tomber des trucs, c'est très bien. Non, mais c'est bien sympa de se jeter en silence, merde. Mais il y en a qui essayent de bosser, quand même. Là, quoi, un moment... Neyman à 600 balles. Bon, ouais. Il y en a vu d'autres. Et t'as qu'à acheter des micros moins chers. T'as qu'à acheter des micros moins chers, qui dit. Ouais. C'est son cadeau de ses 30 ans. Ouais. Bah, fallait pas être aussi vieux. Il a été rentabilisé depuis le temps, je pense. Bon, bref. Le maire. Oh la vache, la violence. Ah, je suis fou. J'ai du mal à comprendre, mais effectivement, ouais. Il a quelque parlé chose de ma base de maman, ouais. Ouais, et je vais lui dire, ça va pas lui faire plaisir. Bon, bref, le maire, il dit quoi? Le passé, c'est le passé, mais depuis 2 mois, les administrés apprécient de recevoir des SMS et des MMS et de plus être obligés d'aller dans les 3 sites où ça passait. Il y avait quand même 3 sites où ça passait. C'est genre les 3 collines du bout du village. Par contre, il y a des Toulousains qui viennent passer le week-end ici et qui étaient déconnectés, contraints et forcés. Ils m'ont dit que la 3G, ça les arrangeait pas, surtout pour les enfants qui peuvent désormais jouer sur les téléphones. Il n'y a pas dit qu'on parlait pas de semaine. Non, alors, je suis vraiment désolé. Peggy 18. Bref, à l'avenir, le maire rêve que la maison de retraite puisse être désormais reliée à la fibre qui passe juste à côté puisqu'elle a été amenée pour le pylône. À l'heure de la télémédecine ou pour envoyer des dossiers, ça serait bien, argumente-t-il. Moi, je pensais plus au papy gamer, mais ça marche aussi. Tu sais, les campeurs de fin de cap. Là, pour l'instant, on essaye, tu sais, de faire plaisir déjà aux communs des municipaux. Comment on aux électeurs, quoi. Des électeurs, voilà, hein. Des municipaux, tout ce qui est municipal, en général, tu Par vois. Contre, pourquoi il a un accent belge mixé avec un accent du centre de la France, ton maire? Parce que c'est le seul accent que je sais faire. Ah, d'accord. Il va falloir s'en contacter tout à l'heure. Du centre de la France de Belgique. Alors, c'est une émission bénévole, on le rappelle. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. À un moment donné, il s'agirait de rester raisonnable. Oh, le patron est sur un tabouret en plastique, dit. C'est avec un micro qui pend. Nous, on a le canapé. Je l'ai même pas imprimé en 3D. Ouais, effectivement, je me suis mis à votre niveau de la plèbe. Pardon. Aïe, oh, vous êtes trop aimable. Non, mais parce que j'étais là trop loin et je voulais vous rejoindre. Donc voilà, moi c'est pas beau, ça. Tu fais partie du commun des mortels. Une petite news régionale, et j'en aurai d'autres bien sûr, et je sais que vous les attendrez avec une impatience non dissimulée. C'est vrai, car elles font chaud au cœur. Elles font chaud au cœur, et ça fait plaisir. Et j'ai libéré le Hangout, mais pourtant on ne voit pas. Hein.
Mais, mais qu'est-ce on est que... transparent pour eux. Mais non, mais on transmet votre oui. live de YouTube, donc ne vous inquiétez pas. On vous voit avec un décalage de 5 secondes, mais on vous voit. Ah bah écoutez, c'est un plaisir. Bien. Bon, ben pour la prochaine news, on va sentir passer les liqueurs. Oh. Je vais vous parler de langue artificielle. Alors, est-ce qu'on alors, parle de langue artificielle mécanique parle... Non, alors, moi, le premier truc, quand tu me dis langue artificielle, le... alors, prothèse. Ça, ce serait le deuxième. Moi, le je pense à Cunilingus, mais après, que c'est... Dieu vous ça, prothèse. C'est le deuxième. Non, non, moi, le premier auquel je pense, tu vois, c'est genre un Google Trad un peu spontané, un peu oh là intelligent, là, tu vois. Dans le futur, monsieur. Ah oui, mais alors, toi, t'as langue futur, artificielle, chiant, tu vois. En fait. Oui, et alors, en fait, oui, mais non, parce que je parle pas du tout de ça. Ah. Ouais, non, mais je parle pas de Cunilingus non plus. En fait, un whisky, c'est bon. Deux whisky, c'est con. Non, alors, en fait, non, parce que les whisky, c'est comme les seins. Deux, c'est bien. Trois, c'est bizarre. C'est Total Recall. Oui, Total Recall, bien vu, bien vu. Allez. Ouais, non, je partage mes jingles avec le chef, parce que sinon, de toute façon, il va me piquer non, le téléphone. J'ai rien dit, moi. Ah. Ah, du coup, ça a plus de sens, là. C'est le rire hors bourre. Ouais, non. Bref. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un palais artificiel, pour de vrai, genre question sérieuse? C'est un palais qui a été construit de manière artificielle. Imprimé en 3D, c'est... peut-être. Alors, pas un été creusé dans la oui, un Taj Mahal en 3D, ouais. C'est pour analyser le goût. Ah, on s'approche de quelque chose, parce que je t'ai parlé de liqueur tout à l'heure, de whisky, et en fait, oui, parce qu'un palais artificiel, ça existe, et figure-toi que ça permet de vérifier la provenance d'un whisky. Genre, il faut que je fasse la mort plus au micro. Ou... Et un spectrogramme de masse ou un truc comme ça, c'est pas capable de faire le même taf? Alors, oui et non, en fait, parce que si tu veux, les whisky, c'est des liquides ambrés, donc il y a des milliards de molécules dedans dans tous les sens. Tous les whisky ne sont pas ambrés. Donc... Non, mais genre, de base, tu vois, c'est des trucs super complexes au niveau par de. Par contre, le whisky d'André est pas mal. Il est fait maison, mais c'est. Non, non, parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est assez compliqué. C'est une bonne idée, hein, la spectrométrie de masse. Mais si tu veux, c'est que c'est assez compliqué de regarder, d'analyser visuellement, enfin, entre guillemets, le contenant d'un whisky. Par contre, au niveau d'un palais, tu sais faire la différence entre deux whiskies, entre un même whisky de genre 15, 18 et 25 ans d'âge, tu vois. Et du coup, tu te retrouves avec la capacité, toi, de faire la différence entre deux whisky qu'un spectromètre ne saurait pas faire. Et du coup, ce qu'ils ont développé, les scientifiques de Glasgow, hein, je veux dire, on parle étonnamment. De... Ouais, voilà, c'est ça. Les mecs sont concernés, clairement. Et on est au cœur du sujet. À Novosibirsk, ils font la même chose avec la vodka. Mais là, c'est un whisky transparent, tu vois. Enfin, un whisky, non, mais voilà, c'est pas ambré. Et ouais, et ils ont mis au point un espèce de palais artificiel. C'est en gros 2-3 cellules photoélectriques. Enfin... pas photoélectrique du coup, mais qu'est-ce que dit l'article sur ton téléphone? Photogultative. J'ai pas le temps de scroller sur l'article. Hein. Photo whisky. Attends, c'est marqué. C'est pas genre cliquez ici pour lire la suite ou abonnez-vous. Genre pour les plantes. Non, je suis désolé, le chef fait n'importe quoi au niveau de la technique. Mais il est bourré. Ce qui est fou, c'est que nous, on a 4 secondes de retard dans la vidéo, donc on va voir ce qui se passera dans 4 secondes. Non, il y a un petit suspense. Mais attention, on le voit se lever. Et on le voit faire péter son téléphone. L'iPhone 13. Voilà. L'iPhone 13. Là maintenant, l'iPhone traîne. C'est l'iPhone 11 avec l'iPhone traîne, c'est pas mal. L'iPhone traîne, j'aime bien. D'ailleurs, je découvre vos messages privés qui me disent des choses que je comprends pas. C'est pas grave, c'est l'alcool. Tu comprendras demain matin. C'est plus important. C'était il y a une heure, donc c'est pas grave. 23h35. Entre le décalage de 4 secondes et le décalage d'une heure, ça devient compliqué, vos histoires. Ouais. Et donc, je disais, l'idée, c'est pas de faire une analyse de spectrométrie, mais plus de faire une analyse des mélanges chimiques complexes qu'il y a dans les whiskies. Et figurez-vous qu'ils ont mis ça au point. On peut maintenant vérifier si un whisky est véritablement telle et telle marque de whisky de telle et telle année d'âge, ou si c'est une contrefaçon, on ne peut plus, triste et usurpé. Et ça, j'ai envie de dire. Frelaté, tu voudrais dire? Ouais, dans ce genre de contrefaçon, ouais. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un pas en avant pour la science? Mais bien sûr que oui, que c'est parce que l'air de rien, bon, ça a l'air ridicule, mais en vrai, il y a quand même des millions en jeu. J'en reviens à notre terroir, excusez-moi. Exactement, aussi, l'origine protégée, tout ce que tu veux. Les sacs à vinasse, là, un moment. tout ce qui est Bordeaux, machin, Bordeaux de et ouais, et Bordeaux de machin. Il s'agit de protéger notre terroir. Mais bien sûr que oui. Précisément. À un moment, il ne faut pas vendre une bouteille sous l'étiquette Château Mon Sac du Cul. Si, c'est Châteauneuf du Pape. Exactement. Et je veux dire, à un moment donné, Châteauneuf du... Non, Château Sac du Cul, c'est quand même... bon, il y a prestige, quoi. J'ai même à suivre de quoi vous parlez. Et pareil, t'inquiète. Hein. Faut pouvoir le Château Sac du Cul, c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un c'est peu... C'est en Cubie. C'est la villageoise. En fait, c'est un vin raffiné de type rouge,
à base de Cabernet Sauvignon. Par contre, il tape. Hein. Alors, par contre, oui, effectivement, il est un peu corsé parce qu'il est maturé au soleil et il est vinifié à la main par des agriculteurs expérimentés sur des coteaux orientés sud, sur une terre calcaire, en fait, à la base. C'est précis. Oui. Mais c'est le petit secret, c'est le calcaire. Parce que le calcaire ramène cette petite acidité qui, une fois maturée, ramène tous les arômes de mûr, si tu veux, dans le vin. D'accord. Ça fait faire 3 heures qu'on parle de picoler, hein, un moment. Et tu remarqueras qu'aucun d'entre nous n'a de vin à table. C'est vrai. Voilà. Bah est-ce que c'est moi, j'ai toujours la bière que j'ai déjà, pas fini. On n'était pas là les heures précédentes et on n'a un peu pas bu de vin. Mais on a un peu bu. Est-ce que le vin cuit, ça compte? Le quoi? Le vin cuit. Ah, tu parles de ça pour ton martini. Est-ce que le vin cru, ça existe? Bah oui, c'est du vin. Bah ouais. Voilà. Mais pourquoi alors, c'est pas vendu sous cette appellation-là? Bien, on a justement avec nous Jean-Marc Pinard. Jean-Marc Pinard, on vous laisse la parole. Je sais. Parce que c'est complètement con. Putain, c'est fou, j'ai l'impression d'entendre l'équipe de TechCraft qui fait un P2P. C'est un peu ça. Ouais, non, mon mais c'est une belle innovation. Ah, mais là, plusieurs avoir accès au jingle, t'inquiète, ça va être la fête. Ah, là, c'est la fête de ce soir. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas notre correspondant de la campagne qui nous appelle? Oh là là, est-ce qu'on avait pas, on n'était pas censé avoir des bruits de fond? On avait commandé des ambiances mais sonores, oui, il me semble. Mais j'ai oublié de les mettre. Mais tu sais quoi, mon cher ami? Parle donc. La technique n'est pas à la hauteur ce soir. Il va te les mettre. Oui, enfin, je voilà. Te mettre bien, le bruit de fond. Hein, bien entendu. Ouais, on est bien d'accord. Moi, pas une cartouche. Cette idée de te faire des choses une cartouche, non légales dans notre pays. Hein. T'es pas toche, toi, un peu. Ah non, alors, ça va, tu connais pas, c'est bien. Ça va. Bien ton micro et ça se passera bien. Moi, j'ai compris. Donc, du coup, qu'est-ce que... Eh oh, arrête de bouger tout seul, toi, sur la tablette, là. Non, n'importe ça, c'est quoi. Parce que t'as trop bu, monsieur. Non, alors, une fois que tu touches l'écran, en fait, c'est normal qu'il a... Non, mais je sais pas, à un moment, ça... Tu veux lequel? Parce que, du coup, j'ai café animé, ou j'ai... Café animé, c'est bien. Café animé, c'est sympa. Fais voir un tu peu. Veux café animé? Vas-y. Attends, okay. Est-ce que ça colle avec la news? En fait, c'est juste le bruit d'une tasse avec une touillette, tu vois, mais bien animé. Finishing, loop, sound. Tiens, voilà, tu l'as. Et en fait, il faut pas faire ça. Parce que ça sert à rien, ça abîme juste ton bol et ton feu. Eh, c'est parfait. Ah. Eh, GG, tu me remettras un PMU, là. Oh, tiens, pas de problème, chouchou. Là, bon, alors, vous savez quoi? Il y a un moment, moi, je lisais le truc sur les infos, j'étais bien. Et je vois que t'as le président, là. T'as le président qui doit se rapprocher de son micro, hein. Président, mais oui, mais ça sature dans mon micro. Ouais, dans le mien aussi, ça sature assez bien. C'est eux qui gèrent. Président, à moi, tu sais... Si ça sature chez toi, on peut pas gérer nous, hein. Non mais je me doute bien, mais moi ça sature dans mon micro. C'est chez vous que ça sature. Dans ton micro, je mets son de fond. D'accord. Bon, et qu'est-ce que je disais? Oui. Qui a dit? Jacques. Eh ben écoute, très bien. Fin d'émission. Au revoir. A plus. Merde, bye. Change l'onglet. Non, c'est pas celui-là. Oh. On peut pas compter sur personne. Il est 23h57. C'est... Bonsoir. On s'en sortira jamais. Bonsoir. Qui a dit « Le numérique ne doit pas être réservé aux plus agiles, ni aux plus favorisés, ni aux plus urbains. Chacun doit y trouver les moyens de gagner en autonomie, d'avoir la capacité d'agir, d'entreprendre et de choisir sa vie. » Bravo. Mathieu Gallet ? Alors, non. Ouais, mais alors ça, j'ai envie de dire que c'est problématique. Non, c'est pas sujet à polémique, ce genre de remarque. On peut en parler. Non, c'est le président, bien entendu, hein, prenant le président de la République au mot. La Tribune en a donc profité pour cette deuxième édition de The Village. Est-ce que tu veux bien juste répéter cette dernière phrase? La Tribune a donc profité... La phrase non, celle d'avant. Emmanuel Macron prenant le président... Ah oui, parce que j'ai mal marqué mon intonation. Qui a dit Emmanuel Macron. D'accord. Personne n'a dit Emmanuel Macron. Le président, là, avec sa vieille. Ça va bien c'est, avec c'est le difficile fond, à suivre. J'ai entendu parler d'homosexualité présidentielle juste avant, j'ai pas trop compris. À quoi est-ce que tu... Mais voilà, ouais, ben, j'ai eu la même, c'est pour ça que j'ai demandé la réitération. Mais à un moment donné, à 23h58 dans un bar, à quoi tu t'attendais exactement? Donc, quoi qu'il en soit, est-ce que la stratégie nationale pour un numérique inclusif était en train ou non de devenir une réalité dans le village de Saint-Bertrand de Comminges? On revient à nouveau dans les Hautes-Pyrénées. On revient à Saint-Bertrand de Comminges. Pas en face de ton micro. Oui, la réponse a été sans surprise. En termes d'accès aux réseaux qui sont calamiteux dans cette région des Hautes-Pyrénées, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et comme en matière de formation et d'information aux usages numériques, il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir. La calamine, c'est pas une formation rocheuse dans les canalisations? Ça dépend, est-ce qu'on peut faire des pinards avec? C'est pas le truc que tu mets du calgon pour... C'est un truc qui est fait par l'électricité.
Alors, le constat national, le constat national, messieurs, le constat national. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu un accident, tout ça, c'était compliqué. Il a fallu faire des petits dessins. Il y a eu un accident au niveau du pays depuis plusieurs années. On a détraumatisé des constats. Moins 13 millions de personnes, moins 13 millions de personnes en difficulté avec le numérique. 40% de la population pas à l'aise du tout avec les démarches administratives en ligne. À commencer par la déclaration de revenus. Hein, tout ça s'est perçu comme un frein dans cette région occitane où vivent de nombreuses personnes âgées fréquemment isolées, à côté de grandes métropoles qui sont tech-friendly comme Montpellier ou Toulouse. Et ben les zones rurales, elles vivent souvent à côté, en marge de la révolution digitale. Digitale numérique. Exactement. D'accord. Et ben voilà, donc c'est un problème que tout le monde ne perçoit pas et que les gens justement... Bah oui, c'est normal, ils n'ont pas accès à Internet, ils ne peuvent pas se plaindre. Sauf qu'à Saint-Martin-de-Comminges, là où je sais pas quoi, ils ont Internet depuis deux mois. Donc là, il y a plus de plus d'excuses. Ceci est une révolution. Mais alors, utiliser le fait que t'as pas Internet comme pour dire que c'est difficile de remplir sa fiche d'impôt, c'est faux. Hein. Ça a toujours été difficile, même sur papier. Non, c'est l'enfer. Ouais, c'est pas faux. C'est l'enfer. Maintenant, je sais plus où. Donc voilà, les personnes de âgées, faire elles des se sentent... Pour qu'on te tire de l'argent. C'est con. Oui, non, mais c'est ça en plus. Mais putain. Oh, je vais dire ça aux impôts la semaine prochaine. Moi, depuis qu'ils pré-remplissent et que t'as juste à signer en bas, je leur donne mon argent, mais avec plaisir. Écoutez, je me fais pas un peu. Hein, un moment. Donc, l'un des problèmes que tout le monde ne perçoit pas, les bénéfices numériques, qu'est-ce que je disais ? Donc, voilà, les personnes âgées, elles sont démunies hein, face aux nouvelles techno. Elles sont même méfiantes, par exemple, à l'égard de la télémédecine qui pourrait les aider à lutter contre les déserts médicaux, mais c'est aussi le cas des jeunes, hein, qui sont à l'aise, hein. Alors là, ils sont à l'aise pour jouer en ligne sur leur ordinateur ou leur smartphone. Sauf qu'ils n'ont pas Internet. Mais ils savent pas utiliser la tech pour chercher un emploi, hein ? Feignasse. Donc face à cette réalité, la stratégie gouvernementale se déploie sur trois objectifs qui est atteindre et orienter les publics ciblés, structurer une offre de formation et de médiation, et mobiliser des financements avec l'idée, par exemple, d'un chèque culture numérique et des actions associant les territoires en partenariat avec des entreprises publiques et privées. Putain. Monsieur Virlandon, est-ce que je vous sers un nouveau pichet de bière ? Bah écoutez, ça me ferait plaisir. Bah écoutez, je vous ramène la dernière. Oh bah écoutez, on va faire ça comme vas-y, ça. Vas-y, parti, j'arrive. La petite sœur. Ramenez des cacahuètes si c'est possible. Bah écoutez, je vais faire ce que je peux. Je préviens tout de suite que la... On dirait Pierre François Martin Lavin dans les... Ouais, c'est ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'était que cette voix ? La direction se désolidarise. Mais vous ramenez les cacahuètes. Mais on est dans un café. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce... Mais tu le fais super bien, c'est fou. Eh ben oui, je me suis entraîné depuis des années. J'ai pas du tout été fan des robes. Oh non, pas du tout. Tu les as jamais regardés sur Covid ? Jamais de la vie. Mais voir le tiercé, là, sur la 2, là, c'est là. Et je les ai pas regardés du tout récemment et j'ai pas trouvé du tout ça nul. Ah, après ça vieillit. Hein. Non, ça vieillit. Non, franchement. Ah, si, ça vieillit. Ah, oh, vas-y. Ah, non. Ah, bah, c'est la stratégie de l'échec. J'ai regardé le DVD. Ah, bah, stratégie de l'échec, c'est pas les Robin, c'est les nuls. Soyons bien clairs. Il y a Farrugia, il y a Barthélémy, il y a. Ouais, il y a plus des Robins que des nuls. Hein. Ouais, ah, ouais, voilà. Il y a juste Farrugia des nuls. Merde, putain. Eh ben, c'est pas tablette. Très drôle, hein, crois-moi. Donc voilà, tout ça pour dire que grosso modo, il y a une start-up bordelaise qui s'appelle Hope and Family qui propose c'est un truc allemand connecter, ou... par exemple, les grands-parents à leurs enfants et petits-enfants à partager des photos et des vidéos en temps réel. Sauf que tu vois, quand moi je lis l'article, je me dis, d'accord, très bien, mais quel rapport avec les impôts de tout à l'heure ? Je sais pas, ils font des tutoriels vidéo comment remplir sa fiche d'impôt. Ou alors peut-être mais parce que comme ça, leurs petits enfants qui font papy. Bon, ok, donne-moi c'est la ça, main sur ton PC. Exactement. Les grands-parents, ils appellent du coup les petits enfants, ils font bon. Je comprends toi, pas. Toi, tu comprends, y a toi. Qui est dis-moi. Qui est intégré d'office en fait dans la box. En fait, j'ai jamais pensé à regarder sur YouTube s'il existait un mec qui avait fait un tuto remplir sa fiche de papy. J'ai vu un tuto d'une heure et demie sur Word qui expliquait comment faire des copier-coller. Je suis sûr qu'il y a ça. Comment remplir. Il y aurait tellement de trucs à flouter, ce serait chiant à faire. D'impôt à produire. YouTube. Non, mais c'est trop compliqué. Remplir ses impôts. Déclaration 2017. Comme faire si c'est la première. Comment faire si c'est la première fois. Titre. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Le titre de ma sextape. Exactement. Et bien, en fait, tu as effectivement plusieurs vidéos qui datent de 2011, 2016, 2017. À partir du moment où ça a été numérisé. T'imagines si c'est Yves. Digitalisé, pardon, excusez-moi. Digitalisé, oh mon dieu. Donc voilà, j'ai rien compris à cette news, mais ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Est-ce que je peux passer là je peux juste vous demander pourquoi, en fait, le jeu titre est devenu le jeu titre de ma sextape qui est beaucoup plus long. À cause de Brooklyn Nine-Nine.
Ok, mais pourquoi juste pas titre ? Titre, c'est très bien. Parce que le personnage dit à chaque fois le titre de ma sextape. D'accord. Ouais, ouais, mais en vrai, titre, ça marche. Titre, hein, ça marche mieux. Dans les ceux qui savent, encore, les vrais, ils te font « Ah, oui, je l'ai. » Titre. Ouais. Bien, on passe à la news suivante, maintenant que celle-là n'avait pas d'intérêt. Sans aller jusqu'à prétendre que les news suivantes aient de l'intérêt, hein, je veux dire, on va pas être si prétentieux que ça. Écoutez, non, vous avez fait vos preuves, en tout cas sur la place de la mairie la semaine dernière, et je c'est trouve vrai. Que, en tout cas, le village était captivé. Et monsieur Bière, au niveau de l'ambiance, est-ce qu'on reste sur le café animé ou on passe sur... Non, part sur la campagne si t'as ça. J'ai la mer. La mer, c'est bien, la mer. C'est bien la mer. Jean-Noël Mier, mer, pardon. l'eau de mer. Jean-Noël Mer. Ah, et celle-là est bien salée. C'est de l'ambiance véritable que j'ai enregistrée à Tenerife. Est-ce que ça viendrait pas de Tenerife semaines. C'est ce que j'allais vous dire. Je est-ce qu'on sentirait pas un peu l'Atlantique, est-ce mais que, genre le y a, sud y a de l'Atlantique un peu le, voilà, le sel un peu. Ouais. Après, j'ai enlevé le monsieur qui a albagué ma madame. Albagué, comme ah, oui, ça. Mais j'ai enlevé ce bah, c'est, comme, les, c'est comme les gens de la mairie l'autre jour, ils, bah, étaient, pas, ils étaient captifs plus que captivés. C'est-à-dire que tu le retrouveras pas, il est mort. Comment il dit wesh en espagnol? También. También, madame. Bah ouais, ça vient de l'arabe et puis les arabes ils sont montés jusqu'à Poitiers donc. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose d'intéressant. Ah, pardon. Tu peux répéter. Non, je disais ouais, ça vient de l'arabe et les arabes ils sont montés jusqu'à Poitiers donc c'est peut-être la même chose. Ah ça, quel ça se défend. Oui d'ailleurs ça s'est pas mal défendu. Jacques Martel, ouais non on l'a tous appris, c'est un moment donné qu'il faut laisser tomber la fin. Les Arabes sont formidables. Ah non, c'est pas ça. J'ai fait un mix. Les Espagnols disent si, la mamacita, si. Ah oui, là déjà tu sens que ça pue, ouais. Ouais. C'est parce que c'est pas la valachate. Alors, on va enchaîner. Qui nous écoute avec un E derrière ami, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. La production ne se désolidarise de cette. Vous avez un certain âge, c'est difficile de le tenir. Ouais. Bah, oui. Que tu veux. Dire le racisme, le racisme, bravo. Le racisme des personnes âgées, c'est difficile à combattre. Je suis désolé, le ils ont vécu leur vie comme ça. Oui, c'est difficile à combattre les personnes âgées. C'est mal vu surtout. C'est vraiment mal vu. Ils peuvent sinon, c'est assez quand et tu rates ton coup, tu vois. Ah bah non, j'étais prêt. Ils sont tombés la marche d'avant, c'est quand même con. Bah bon, bref. Moi, si vous voulez, je voulais parler d'un problème d'été. Ah, oh là là. Alors, non, l'été d'oreiller ou... Problème d'été, tu penses à quoi bah, en premier, je sais pas, quel rapport avec les lettres avant et après des U, des V, des W... Ouais, non. Ça. Non, pas... Ah, non, bah, j'ai pas. Alors, des problèmes d'été... La chaleur. Ouais. Ah, chaleur, on y arrive. On parlait des vieux juste avant, le calorifugère. Ouais, alors oui, mais rien à voir. Qu'est-ce qui vient avec le calorifugère? Bah, normalement, un ouvrier pour l'installer. Okay. Déjà, j'ai pas compris, c'est quoi un calorifugeur? J'étais tellement pas prêt pour cette remarque. Un calorifugeur thermique. Non, pour l'instant, on est hors sujet, t'inquiète, on y arrive doucement, mais non, on y arrive. À un moment, il faut faire un devis. Mais alors, figure-toi qu'en fait, ils te font des devis gratuits, mais il y a plusieurs entreprises compétitives qui peuvent te le faire. Ouais, mais ça, effectivement, mais ça demande une étude de. Enfin, tu fais pas ça tout de suite sur le tas. Tu vas demander, justement, tu vas faire des devis auprès de différentes entreprises. Ça peut se faire, mais il peut y avoir des aides gouvernementales si jamais tu vas sur le coût d'achat d'une ancienne maison et que tu vas en mode isolation et amélioration du chauffage. Par rapport à ça, j'ai une question, c'est quoi un calorifugeur thermique? Mais j'arrive c'est un échangeur thermique, mais sur la base d'un échangeur sol-domicile. Eh ben, écoute, très bien. Attendez, excusez-moi, est-ce qu'il y a des vrais mots là-dedans ou calorifugeur thermique, non, techniquement, c'est ça existe. Mais attends, je suis con, j'ai internet. On a internet sous les yeux et on est en train de vous raconter des histoires. Calorifugeur thermique. Ah, il me met pas thermique en autocomplétion. Attendez, bah, il faut que je change d'anglais parce que c'est un métier. C'est monteur en isolation thermique. Alors quand tu dis monteur... On n'était pas loin du thème. Hein. Alors monteur... Monteur, c'est, si tu veux, c'est dans les chaînes de production à domicile ou dans une usine qui fabrique un truc, tu vois. Pas tu pars de composants individuels et tu finis un truc fini. Ou sur okay. After Effects, si t'as un PC pourri, ça chauffe très vite. D'accord. Ouais, mais je pense là, c'était plus au niveau industriel, tu vois. Ouais. T'as genre... Tu voulais c'est pas quelqu'un quoi, qui vient qui fait bonjour madame, je sens que vous avez chaud. Je vais vous aimer. Madame, je sens que vous avez chaud. Vous voyez ça à quoi? Les auréoles, madame. Il y en a partout. C'est la canicule. Vous avez des auréoles sur votre tapis du salon. Faut commencer à s'inquiéter. Oh la vache. Oh, si ça goûte à ce niveau-là, effectivement, il y a des problèmes. Bien. Alors. Oui. Alors, je vais vous parler absolument de la technologie. Ça. Rien à voir. Ouais. Ah mais je viens de comprendre tout ce que vous venez de dire. Je suis assez déçu par vous.
J'ai pas compris tout de suite, mais là, je peux dire le mec qui réagit 3 heures plus tard, il fait et c'était nul. Que vos mères et moi, on est très déçus. J'espère que ma maman n'écoute pas parce que normalement elle est occupée, c'est pour ça que je suis que j'ai pu venir en fait. Elle sait pas que je suis là. Parce que sinon, elle t'attend de sortir. Oui, bah, c'est, bah, c'est un peu ça le problème. Quand on voit tes fréquentations. Il est 10h passé, donc techniquement la permission de Cendrillon c'est mort, tu vois. Il est minuit passé même, donc là sans compter que du coup c'est pas la tienne déjà. J'ai le cristal. Je l'ai perdu. Ouais, non. Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai un petit sujet de l'été, c'est les motos électriques. Mais j'ai une introduction. Est-ce que vous vous souvenez des premières voitures électriques qui sont arrivées sur le marché ? Celle de Ségolène Royal ? Elle est pas arrivée. Les télécommandées que j'avais à Noël ? Non, non, je vous parle véhicule électrique, genre toi tu rentres dedans et tu fais un trajet du point A à un point B, pas voiture télécommandée. Le métro, tu vois. Le train ? Non, voiture. Ah, pardon. Pas transport en commun. Ça me dit non, rien, pas un TGV. Ouais, pas... même vendredi rien, pareil. Jeudi rien. Bah, c'était pas déjà moi, les moi trucs j'ai souvenir que c'était plus sur un mardi, mais les souvenirs sont flous depuis l'époque. Si vous voulez, ce qui m'avait marqué, c'est que. Et alors là, c'est un peu sérieux, c'est genre, elle ressemblait à rien. Oui. C'était vraiment les premiers modèles de voitures électriques, c'était des trucs tordus, c'était des trucs bizarres. Pourquoi ah, est-ce mais que c'est... Genre les camions de la municipalité, voitures, tu vois. Déjà les camions de la municipalité, tu sais ceux qui faisaient bip 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 parce que sinon tu les entendais pas. Oh, ils nous réveillaient tout le temps à 5h du matin. Ce qui est super intelligent pour un véhicule électrique, silencieux et tout, de devoir mettre une turbo-alarme dessus. Et je sais pas pourquoi ils faisaient tout en marche arrière, et même à l'arrêt, ils laissaient la marche arrière, ces enfoirés. Non, non, c'est pas ça, c'était pas une question de marche arrière ou quoi que ce soit. C'était que, en fait, comme ils étaient sur des rues piétonnes et que le véhicule faisait pas de bruit, du coup, ils avaient mis un truc qui faisait un bruit de fou pour qu'on puisse le voir. De pas rouler sur quelqu'un. Voilà, au lieu de faire comme la Zoé maintenant, où t'as un whoosh, tu vois, à la place. Ouais, non, mais là, vous faites, ouais, là, là, dis donc, le bruit et tout. Mais moi, j'ai et l'odeur aussi. Mais moi, j'ai failli me faire écraser par une camionnette de la Poste électrique au coin d'une rue parce qu'ils n'avaient pas le bip-bip, justement. La sélection naturelle, pof. Mais tu sais, le degré dans l'accident, il s'est fait écraser, oh mon dieu, par une camionnette. En bas de chez lui, en bas de chez lui en plus. En bas de chez lui, et même pas, ils étaient venus lui livrer un colis. Il n'y avait rien dans sa boîte aux lettres. C'est le comble de l'échec, ça. Oh. Il est en train d'ouvrir sa boîte aux lettres, il n'y avait rien, il y a une camionnette de la Poste qui lui a foncé dessus pour lui livrer son propre colis. Ah oh, là, c'est le début d'un James Bond, j'ai envie de te dire, en vrai. Ouais. Un très mauvais James Bond, alors. Oui, bah alors oui, on va pas juger tout de suite. Je veux dire, tu peux pas juger avant d'avoir vu le produit final, tu vois. Je veux dire, tu peux pas juger sur un script. Enfin, tu peux. Un peu quand même. Tu devrais, ouais. Mais on le fait pas assez souvent. Enfin bon, bref. Outre soucis cinématographiques, et, si tu veux, le truc qui me choquait au début, c'est les voitures électriques. Les premières, ils les ont pas fait comme si, genre, c'est une voiture, mais elle est électrique. C'est genre, c'est un truc électrique qui roule sur la route. Mais ça ressemble à rien. Ouais, c'est mais des caisses à savon. Il y avait une question de puissance aussi. Je pense que les premiers moteurs électriques ne pouvaient pas non plus bouger la carcasse d'une voiture thermique. Je pense qu'il y avait une question de batterie aussi. Plus au niveau de la batterie que des moteurs. Parce que bon, moteur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop où foutre à peu près 2 tonnes de batterie pour 1 tonne 5 de véhicule. Effectivement. Donc du coup c'était compliqué. En plus, à chaque fois qu'ils rajoutaient de la batterie, et ben c'était pas suffisant pour déplacer le véhicule plus la nouvelle batterie. Exactement. Donc ils rajoutaient encore de la batterie. Et en fait marchait. C'était un véhicule qui déplaçait surtout des batteries. Les problèmes du spatial encore et encore. Quoi. Oh là là. Mais enfin bref. Effectivement, et ben figurez-vous que là les voitures électriques, bon maintenant elles ont commencé à se démocratiser et on en trouve des entre guillemets normales, en tout cas de forme plus banale, on va dire. Quoi. Par exemple, c'est Clio quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire dans toutes les marques, hein. C'est moche. Pardon, continue. Non mais je veux dire, on en trouve pour tous les goûts, toutes les couleurs, mais je veux dire, elles sont plus forcément aussi exubérantes, tu vois. C'est plus genre ah tiens une voiture électrique, c'est genre ah une voiture, elle fait pas de bruit, elle doit être électrique, tu vois. C'est ça. Et ben les motos sont en train de sortir de façon électrique et ce qui me sidère, c'est qu'on se retrouve avec le même problème. C'est-à-dire que là, techniquement, j'ai vu... Ouais, ben, c'est ça. C'est-à-dire que si t'aimes les motos, tu te retrouves avec des trucs qui ressemblent pas vraiment à des motos classiques. Pour le meilleur, mais est-ce qu'elles sont classe ? Est-ce qu'elles sont ultra futuristes ? Parce que du coup, ils ont pu se lâcher. Parce qu'on est comme dans Tron. Alors, ouais, c'est ça, en fait, ma question. J'ai des images. Je vais avoir du mal à vous les transmettre par la caméra. Ça risque d'être un peu petit. Ah oui, je vois bien. Ah oui, maintenant, je vois bien. Mais pour mon collègue, monsieur Bière, en exclusivité, fais-moi voir un peu, j'en ai une qui me saute aux yeux. Alors, si je choisis, on va faire une petite recherche moto électrique. Ouais, alors la marque, tu peux fermer, c'est Newton's Motor, par exemple. C'est entre Tesla et Newton. C'est un truc français. Belle. C'est une moto en bois. What the quoi fuck. Précisément. Comment ça? Est-ce que t'as le nom du modèle qu'on cherche, nous, de notre côté? Cherche déjà la marque, je pense que t'auras une petite base. C'est quoi la marque? Newton's Motor, si ma mémoire est bonne, mais je l'ai plus sous les yeux, là.
La moto électrique Neuron. Ils ont pris un autre découvreur, quoi. Tesla était déjà pris, du coup, ils ont fait bon, ouais, on va prendre Newton. Et en plus, ils pourront la monter le même. C'est un partenariat avec. Non, c'est Newton's Motor, c'est marqué là. Et dans, en dessous de la photo, ils ont mis Neuron. Ah ouais. Ah non, c'est peut-être le modèle. Ça doit être le modèle Neuron de Newton's Motor. Et bah, ça ressemble vaguement à une moto, mais enfin. Oui, ça ressemble à une rampe d'escalier avec des roues. C'est vrai, c'est bizarre. Ça ressemble à une rampe d'escalier post-moderne. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis un Dyson au milieu aussi. Oui, ben voilà, c'est ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire une moto qui ressemble à une. Et qui aspire par terre en plus? Non, c'est pas ça. Chirac avait tenté de faire ça, je rappelle. C'est une impression 3D. C'est ça. Genre pourquoi ouais, moi aussi j'ai une impression 3D. Qui ressemblerait à une moto qui serait passe-partout, qui du coup, à mon avis, serait plus. Un passe-partout le nain. Non, rien à voir. On va pas passer sur ce sujet. Pas, Non, on coupe court. Rien à faire. Hein. Ah bah oui, si c'est forcément si tu passes partout, tu coupes court. Oui, c'est. Je savais que j'allais pas m'en sortir. Je savais que j'allais m'en tomber dans ce truc-là. C'était sûr et certain. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient pas pu tenir compte de l'expérience du fait que les premières voitures électriques, elles avaient un peu du mal à s'intégrer, et peut-être que c'était au moins en partie dû au fait que c'était un nouveau concept, mais peut-être qu'en partie aussi c'était dû au fait de leur design, tu vois. Que les gens voulaient juste une voiture, pas un espèce de truc qui les fait remarquer à 3 km à la ronde. Mais pourquoi le choix du bois? Ben ouais. En fait, c'est un garçon, une fille, le choix du bois. Moi, je trouve pas ça si moche que ça, hein. Moi, franchement, je trouve ça pas trop moche pour une cage d'escalier. En fait, ça a pas l'air très confortable, par contre. Ben, ouais, je sais pas. Ouais, toutes les motos ont pas l'air hyper confortables de base, quoi. Enfin, c'est... Mais est-ce que... Parce que moi, je m'y connais pas non plus trop en moto, mais est-ce que l'assise est pas vachement loin du guidon? Mais ouais, là, je pense que t'es à la limite couché dessus, quoi. Mais sauf que... Ouais, sauf que du coup... Du coup, t'es pas du tout couché sur le truc où il y a l'air d'avoir un petit coussin, quoi. Ouais, c'est pas une petite moi j'ai surtout peur de l'accélération. Moi j'ai peur que cette espèce de store vénitien là il parte en live et t'accélère un peu. Là, c'est pas un peu. Ah bah le Dyson il tire, hein, il a une sacrée puissance de charge. Et puis faut pas la laisser au soleil, quoi. Ou sous la pluie. Ouais, sinon ça gondole. C'est pas ouf. T'imagines en pleine nuit t'entends du bruit dans le garage. Non, c'est le bois qui travaille. Déjà la moto sous la pluie c'est pas marrant, mais alors une moto en bois sous la pluie c'est pas marrant. Ah, tu glisses, ça glisse. Moto, tu forces un peu dans le virage, quoi. Différence thermique. Ah, et puis le chien c'est si tu commences à choper des verres, quoi. C'est ça, tu la nettoies, faut que tu montes en patin par dessus. Ouais. Et puis il faut remettre de l'huile tous les 6 mois. Attends, aussi c'est ça. Plus, quoi. C'est un merdier. C'est trop d'entretien, c'est pas possible. Ah, mais ils nous font rire là, les bobos. Par contre, le gros avantage, c'est que si tu tombes, tu peux finir ton trajet en glissant sur le côté, quoi. Si c'est bien ciré. Bah, le truc pratique, c'est que si tu finis ta course effectivement en glissade, tu peux faire un barbecue direct, quoi. Oui, c'est pas bête. C'est ça, bah, si elle prend feu, elle prend vraiment feu, quoi. C'est la première qui fait des signaux d'alerte de fumée. Ouais, là, si t'es sur la voie rapide, tout le monde va devenir de l'ombre. Mais les warnings, chérie, attends, je glisse. Non, mais en vrai je comprends le délire on a des nouvelles possibilités parce que bah forcément t'as plus le gros moteur qui doit être placé dans une seule position et qui prend les trois quarts du truc qui doit pouvoir transmettre, ouais, effectivement. Donc du coup là ils sont dans un mode où ils peuvent se donner se faire un peu plus plaisir sur les formes et je comprends que les designers se lâchent et honnêtement moi ça me choque moins que la caisse à savon qu'on avait au début de la voiture électrique, tu vois. Caisse à savon, la camionnette moche. Une fois que t'as posé le véhicule électrique en tant que truc classique, pourquoi pas, c'est une alternative comme une autre, tu peux très bien passer à un peu de créativité. Mais je dirais dans un premier temps, d'abord tu laisses les gens s'adapter sans tout bouleverser, tu vois. T'as pas besoin de tout chambouler complètement du tout au tout, tu vois. D'un autre côté, faut qu'elle claque. C'est comme les concept cars et les trucs comme ça, en fait. D'abord tu fais un truc de ouf et puis après t'as des trucs un peu plus normal pour les consommateurs lambda, quoi. Normal. Je suis désolé, t'as pas fait la... Ouais, voilà, on est un peu sérieux sur Techcraft. Ouais, bon, après... Là, je trouve qu'on est particulièrement sérieux. Un peu trop sérieux, non? Faudrait un peu décoincer. Le caca. On aurait besoin des jingles, messieurs Kenton. Qu'est-ce que tu veux comme jingle? Attends, voir. Ah, voilà. Celui-là, il est bien. Il est bien, mais il est pas fort. On l'a pas beaucoup entendu, ouais. Ouais, bon, Un peu plus fort. Qu'est-ce qu'on se poile? Je suis pas d'accord. Oh, là, c'est mieux. Ah, là, c'est bien. C'est le mal. D'aucuns devraient penser qu'un peu, c'est bien, qu'après, il y a une limite et après, c'est trop. En fait, non. Tu devrais faire des TEDx, en fait.
Ah ouais, tu rigoles comme ça. Et ben si c'est comme ça. Tu me passes la main ? Je passe la parole à notre correspondant, Monsieur Bière, en direct de la campagne. Est-ce qu'on a de la campagne là ? Ambiance. Ambiance campagne. J'ai pas prévu de la campagne, qu'est-ce que tu veux ? La campagne, la mer, c'est bien. Alors pendant que tu cherches, je lis le commentaire de Barberousse tout à l'heure par rapport aux motos. Il dit : le problème des motos, c'est qu'il manque deux roues, un siège, un porte-bière et un pare-brise. Alors, je suis assez d'accord, mais pour le porte-bière, pour le porte-bière, c'est un peu bizarre en voiture. Et oui, non, mais c'est le problème, ça règle le problème de boire ou choisir, il faut conduire. Tu vois, là, l'avantage, tu peux faire les deux. C'est conduire et boire, il faut savoir. C'est ah merde, je me suis chié. Non, c'est boire ou conduire, il faut choisir. Là, tu peux faire les deux. Tu l'avais dit bien. Voilà. Le mieux, c'est que tu prends une paille, comme ça, tu peux boire ta bière pendant que tu conduis. Et il y a Cowboy qui nous dit aussi qu'il y a l'Institut supérieur de l'automobile et des transports qui fait des études pour avoir des véhicules en bois. Moi, j'ai hâte de voir des fusées en bois. Alors, il y en a dans le jeu Outer Wilds, elles fonctionnent pas mal du tout. C'est un très bon jeu. D'accord. C'est un concept. Ah, Yannick Doc qui pose une très bonne question. Est-ce qu'on pourra les payer par chèque ? Je vous laisse réfléchir. Parce que c'est du papier. Non, un chèque en bois ? Oh merde. Oh, je l'avais pas. Enfin, je pense que c'était ça. J'ai cherché beaucoup trop longtemps. C'est un chèque. Quel rapport avec le Qatar ? Non. Non, on parle du catamaran d'avant. Genre l'Europe de l'Est, tu vois. Tchèque. Ils sont des républiques. Ils sont des tchèques. Non plus. C'est pas ça. Ça, non. Ça, c'est un Toulouse. Et vous pensez qu'il y aurait des saxons ? Adopte Matomate. Le site de rencontre entre citadins et jardins. Adopte Matomate, j'ai envie de te dire. Ah, il est tout bas là d'un seul coup. Ouais. Ouais, oui, mais il faut que je coupe les boucles. Eh bien, oui, Adopte Matomate est un site de rencontre. Oh là, pour les légumes. C'est quoi ça ? Oh. J'en ai aucune foutue idée, il y a un truc qui est lancé, je sais pas où. Ah bah voilà. Okay. Ah, il ressent des vieux jingles de bonne nuit. Skyrock pendant un moment de 22h à minuit. Skyrock, Skyrock. Jean-Marc et Mich. Énergie. T'es pas d'accord. Il est pas d'accord. Donc Adopt Automate, c'est bien un site de rencontre, mais pas vraiment du genre à faire rougir. Oh que... Bravo, 20 minutes encore une fois, je n'invente rien. Cette plateforme toulousaine met en relation ceux qui aimeraient bien avoir leur potager, mais qui doivent se contenter d'un pot de tomates cerises sur le rebord de la fenêtre de leur appartement. Quand et tu ceux dis un qui potager, ont la chance. C'est-à-dire que c'est un copain qui n'est pas très jeune. C'est exactement ça. J'en ai deux. Deux potagers. Ah merde, va te faire foutre. La violence. Figurez-vous qu'en fait, c'est parce que les neurones, au bout d'un certain temps, ils vieillissent. Et ils sont un peu moins souples, un peu moins dynamiques. C'est pas du tout parce qu'il est entouré de deux vieux mecs. Quoi. Non, rien ça de fait pas. Bizarre quand tu dis ça. Titre. Mon cher GNBR, c'est toi qui dors avec lui, pas moi. Ah oh, bah non, 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 on dort pas dans le même. Ah, tu sais pas encore. On me cache des choses. Donc, la tout ça pour vous dire que l'idée d'adopter une tomate est germée dans la tête. Germée. Tomate, germée. Ah, t'as vu le jeu de mots. On est voilà, dans le vocabulaire. Ouf, ça devient lourd. Ah bah, on n'en parle pas. Bah, non, mais tu sais, les pots de terre, en vrai, ça a une masse, mais de ouf. C'est pas ouf. Je veux dire, t'as pas l'impression comme ça, mais c'est super. Donc, Octavia Ivan, une roumaine de 35 ans, venue s'installer par amour dans la ville rose. J'ai grandi dans un petit village près de Bucarest et j'ai passé ma vie à manger les fruits et légumes du jardin de mes parents, raconte cet inconditionnel des tomates. Un luxe qu'elle n'avait plus en débarquant à Toulouse. Alors, comme presque tout le monde, elle a pris son cabas, elle a mis le cap sur les rayons d'un supermarché et là, grosse surprise. Oh, bah, j'ai vraiment été étonné par la différence de goût qu'elle a dit. Alors, dans son quartier, du côté de Saint-Michel, vous voyez le... Bah oui, bah, oui. Oh, oui exactement. Bah, elle a aussi vu pas mal de jardins à l'abandon. C'est vrai, parce que quand on y va... C'est vrai, mais c'est où l'abandon? Parce que, ouais, Saint-Michel, c'est à côté. Parce que moi, je suis allé en colo à la Bourboule, mais je suis pas sûr que c'est... Saint-Michel, on voit, c'est juste à côté, okay. Là, c'est... Ouais, bah oui, c'est pas loin, c'est 3 stations. Bah, tu vois l'église? Ouais. Ouais. C'est pas là. D'accord. Okay. Bon, non, parce que c'est vrai qu'il y a des. Du côté de Saint-Michel, elle a aussi vu pas mal de jardins à l'abandon. Ouais. Ah, typiquement, il y a des quadras qui, entre le travail et les enfants, ils n'ont pas le temps de et s'en bah occuper. Ouais, c'est ça. Bah, et yes. Et donc, ouais, du ça coup, fait chier tout le monde d'avoir un jardin dans sa maison. Mais, ça mais comment qu'elle pas. A fait? Comment qu'elle a fait? Eh bien, il a suffi d'un hackathon. Un hackathon. Ils ont hacké les jardins. Ils ont hackathonné pendant 3 jours, en septembre. Ils ont fait des hackas pendant le jardin? Non, ils ont fait les hackathons. Ils ont fait des hackathons. C'est ils ça. Ont fait des AK. Ah, ouais. Comme les Néo-Zélandais. Oui. Oh oui, ça aurait été trop bien ça. Ça aurait été classe. Ouais, mais c'est pas ça. 48 heures de AK.
Bout de carotte, si tu les vois les premières minutes, les mecs. Ils ont des bleus sur les bras. Ah là là. Donc voilà, allez, voilà, je termine vite fait. Elle a fait un hackathon, elle a fait naître adopteunetomate.com et en quelques mois, t'as une centaine de jardiniers qui bichonnent en équipe, 37 jardins toulousains. Il n'y a aucun échange d'argent, c'est juste de créer du lien social et des échanges. Échange des tomates. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de ma pelouse gratuitement ? C'est exactement ça. Oh putain, génial, parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Mais il faut que tu fasses planter. Mais il faut planter des trucs qu'il a envie de récolter. Voilà, ah, justement, qu'il se fasse plaisir là pour le coup. Attends, il faut qu'il puisse planter certaines herbes qu'il a envie de récolter. Attends, non, il précise quand même qu'au niveau de. Toutes les cultures sont acceptées, du potager au verger, en passant par les plantes médicinales et aromatiques. Bah, vaut mieux faire le tour, sinon tu les écrases. D'accord, mais c'est obligé d'être légal ou pas ? Ah, si c'est médicinal, si c'est médicinal, c'est pour la bonne cause. Si c'est pour la consommation personnelle. Le soir, elle fait « Alors, est-ce que tu aimes bien mon site de Adopte une tomate ?»« Bon, bah les couilles, ça. » Voilà. Ouais, ce genre de truc. Désolé. Adopte un 5 feuilles. Rip une pièce, les écouteurs en casque. Exactement. Du coup, est-ce que demain, on lance « Adopte un 5 feuilles ». Ouais. Adopte un 3 feuilles d'abord. Et légumes par jour. C'est les 5 feuilles par jour. 5 feuilles et légumes par jour. Exactement. Et ben, news suivante, j'ai envie de dire. C'est news, c'est sérieux. C'est calibré. Ah, c'est censé être à moi ? Ben, genre. À la limite, tant qu'à faire une fois de temps en temps, quoi. Oui, parce que je connais du son de ta voix. Non, mais c'est bien, parce que comme j'ai pas bossé, il va falloir que je trouve un sujet là, comme allez, ça. Allez, improvise. Est-ce qu'on peut regarder fixement en silence ? Alors, numéramoi.com. On a l'air de juger un peu, tu vois. Ah, oh là là, sérieux, sérieux. C'est un petit sujet de fond qui reste. Mais attends, pas trop. Ça va être un petit peu le TechCraft, Café Craft. Café Craft. Voilà, l'attend. Ça tourne sur les là, les Toulousiens, parce que je pense que. Les Toulousains, pardon. Parce que je pense que les. Je sais pas où là. Les Cholésiens. Cholésiens sont pas là. Je ne pense pas. Ah si, ils sont là. Ah bah vu la vue sur la webcam, je pense qu'ils sont en train de se. Bah, ouais. Ils sont présents quoi. Nous on la voit pas pour une raison qui m'échappe, mais ouais. Bah nous on la voit. Bah, et à mon avis, ils sont pas du tout en train de nous écouter donc. Non mais ils sont. Bref, je voulais vous parler un petit truc en fait parce que c'est un petit peu l'explosion cette année, je trouve. Du Cambrien. Non, déjà non. Parce que ça fait longtemps, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu l'explosion en fait des voitures électriques. Alors c'est un sujet qui a déjà été traité dans TrackTest. Les batteries qui explosent, on a connu avec le Note 7, d'accord. Mais est-ce que c'est de ça dont tu parles ? Non, les voitures. Parce que d'ailleurs en parlant de voitures électriques, est-ce que vous étiez au courant qu'au tout début de la Tesla, ils ont eu exactement les mêmes problèmes que le Note 7 et en fait ils avaient des petits cailloux qui perçaient les batteries en dessous et du coup les voitures prenaient feu. Et du mais coup, ça, c'est parce que la départementale, elle n'a pas été refaite. Ça. Bah, c'est ça. Non, c'est ils se sont dit, on va voir que des gravions, ces enfoirés. Ouais, non, mais c'est tout ça pour gagner de l'argent, ça, c'est la communauté de communes encore. Mais oui. Ils ne veulent pas mettre le budget. Voilà, donc après, j'ai fini de vous interrompre. Si vous voulez reprendre, allez. Non, t'avais pas fini ton interruption. J'ai en train de. Donc, du coup, à l'époque, c'était littéralement l'explosion des voitures électriques. D'accord. On revient sur ça. C'est l'explosion, mais pas pareil. Ah, je l'ai. Ok. Bye. Voilà. Yes. Non, sauf que cette année, moi, j'ai l'impression que c'est un plus. Attention, parce que si tu dis gelé, les batteries avec le froid, ça marche pas bien. Hein. Oui, surtout qu'on pourrait accentuer l'accent et puis on dire cholet. Oh. Voilà. Mais ça, c'est parce que ça, c'est ton petit côté cheleux, ça. Attends. Voilà. Ah oui, tiens. Oui, tiens, tu vas gérer les jingles pendant que je parle. Tu peux faire un. Partageons un peu. Ah, c'est là. Mais non, pas du tout. Non, c'est. Voilà. Toutes mes excuses, je fais que commencer. Non, c'est pas de soucis, on apprend pas. Non, je voulais un petit peu parler de cette année. Je trouve que les batteries, les voitures électriques ont un petit peu explosé en fait. Mais la part. D'accord, merci. Non, mais c'est le mode random. Tout le temps. Est-ce que. Bah, si t'es pas d'accord, ok. On va nommer chef des jingles, on va demander de justifier mes choix. Hein, je suis désolé. Moi, je te dis pourquoi. On n'en voit pas assez des Tesla Sport. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens. Non, c'est comme t'es pas moi, ça. Je l'ai dit innocent, j'avais pas les mains sur le clavier. Non, je suis d'accord qu'on voit pas effectivement beaucoup de Tesla Sport, mais c'est peut-être par rapport au prix d'achat. Non, par contre, des Zoé, putain, qu'est-ce que j'en vois. Ah, des Zoé, il y en a de plus en plus. C'est un petit BM aussi. Alors que pourtant, c'est moche. Et j'ai compris pourquoi, du coup, c'est parce que ça ressemble à des Clio. Mais on en voit vraiment beaucoup des Zoé. Mais il y a des primes oui, en fait. Alors que des Emma, la Zoé, parce que la Zoé, c'est un modèle électrique qui est un petit peu particulier parce que. Ah bon ?
Oui, parce que vous ne pouvez que l'avoir avec une batterie en location. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça a changé depuis quelques années et on en a parlé dans TechCraft. Je vais essayer de te retrouver la news. Mais ça a été un des TechCraft dans lesquels j'ai participé, comme quoi ils avaient changé le modèle et maintenant tu pouvais enfin acheter ta batterie. Mais par contre... Ah bah non, on s'en branle pas, Benzen. Mais... Ah, ça y est, il a les jingles en main, ça Benzen, il a... En fait, il réfléchit pas les jingles. Il tape au point sur le clavier et c'est le premier truc qui part. L'intérêt... Voilà. Il est en train de taper son CV sur le clavier, sur le jingle en dessous, quoi. Je suis désolé. Il y a pas de limite. Donc, j'ai pas fait ça quand il a fait son article. Tu peux l'acheter, mais c'est hors de prix. C'est, en fait, c'est hors de prix, c'est super cher. C'est pas hors de prix, c'est le prix que... Un milliard. Non, mais non, c'est au prix qui correspond, mais... Du coup, ça te fait une voiture où tu vas payer une batterie qui va se dégrader sur 10 ans a priori plus cher que ce que ça t'aurait coûté de la louer, tu vois. C'est un peu con. C'est pas vraiment intéressant, mais comme ça, tu es propriétaire de ta batterie. Si, mais c'est ça qui n'a aucun sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Mais... En gros, tu es en train de dire, mais oui, mais ils ont réglé le problème parce que... Mais non, mais attends, je suis juste en train de dire que tu peux décider d'acheter ta batterie. Tu n'es pas obligé de la louer, mais dans ce cas-là, c'est ramené sur 10 ans. Les gens avaient fait le calcul et ce n'était pas forcément hyper intéressant. Oui, mais en gros, tu es en train de nous dire, c'est comme s'ils te disaient, vous êtes obligé de louer votre voiture entière. Genre, vous êtes obligé de louer votre Twingo. Ou alors vous l'achetez 2 millions d'euros. C'est en gros, c'était en train de dire, ils mettent un prix qui est beaucoup trop cher. Le delta n'était pas si grand que ça. Non, mais parce que je te dis ça parce que j'ai pas envie de faire un calcul pour savoir sur 10 ans. Mais c'est le principe de on vous met une batterie qui est trop chère parce qu'on préfère la louer aux gens. Non, parce que c'est le prix de la batterie en fait, au final. En fait, t'avances la location sur X années, quoi. Je sais plus combien c'était, je disais 10 ans pour déconner, mais voilà. Ouais, bon, ok. Et donc, en fait, du coup... ils s'en foutent, quoi. C'est un TechCraft, mais ils s'en foutent, quoi. Ils parlent. Ouais, et pour une fois, j'avais un sujet sur lequel je pouvais réagir. J'en profite. Intervenir déjà. Non, parce que du coup, plus sérieusement, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cet utilisateur de Tesla qui a dit qu'il a fait 1 million de kilomètres avec sa Tesla? Bah qu'il a que ça à foutre de sa vie. De sa vie. Alors, titre, jingle, Primus, Chips. Qui a fait le duo? Ah, c'était moi. Et? Alors, je sais plus si c'était pof ou je me suis laissé entendre. C'est moi qui ai dit la même chose. D'accord. Non mais c'est pas ça le problème. Hein? C'est qu'il a fait 1 million de kilomètres, donc ce qu'on ferait habituellement avec une voiture jusqu'à la fin de sa vie théoriquement. Sauf que lui a dit qu'il a dû changer une fois la batterie. Ok. Alors, j'ai un petit doute, mais pourquoi pas. Je veux dire, dans un temps, il a passé dans sa bagnole pour faire 1 million de kilomètres. Comment ça, quelle voiture arrive à 1 million de kilomètres? C'est ça. C'est moi en fait. N'importe quelle voiture arrive à 1 million de kilomètres. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que la Tesla est pas sortie depuis assez longtemps pour qu'il ait pu faire 1 million de kilomètres. Je veux dire, à moins que le gars il ait fait ça H24 pour voir au bout de combien de temps la batterie. Il a conduit et il a dû changer une fois la batterie pour atteindre les millions de kilomètres. D'accord, mais c'est une ancienne Tesla du coup, c'est pas une Model 3, c'est une Model S. Alors je me souviens plus du modèle, mais la news est sortie il y a pas très longtemps où le mec disait j'ai fait 1 million de kilomètres. Et j'ai dû changer qu'une seule fois la batterie. Non, mais genre, les voitures dans la vraie vie, les moteurs thermiques, ils font 300 000 bornes par 1 million de kilomètres. Non, mais Benzen, on voit que tu es jeune et innocent. Toutes les vieilles voitures qui avaient un minimum quelques années, enfin, toutes les voitures de mon époque, quand moi je suis né, le million de kilomètres... T'as pas la bonne voie. Non, mais le million de kilomètres... Toutes les voitures de... En vrai, ça va, hein. ...était pas du tout, en fait, un rêve, mais c'était une réalité. Non, mais en vrai, ça va, je viens de faire un calcul rapide et si t'imagines, c'est roulé en fait 416 jours à 100 km/h. 416 fois 24 heures. Mais ta moyenne, jamais à 100 km/h. Mais peu importe le. Mais imagine, il fait que des longs trajets. 416 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, s'il roule beaucoup. Voilà, j'ai envie de vous dire, peu importe la motivation du monsieur, ce que je voudrais qu'on mette un. Alors moi, je suis un peu étonné parce qu'au niveau des cycles, ça fait beaucoup quand même. Hey, oui. Monsieur Feelgood. Monsieur Kenton. Voilà, est-ce qu'on pourrait juste répondre à la question? Mais j'essaie de répondre à ta question depuis tout à l'heure. La question, c'était justement, c'est peu importe comment il a fait ses 1 million de kilomètres. Mettons le principe de base, il a fait 1 million de kilomètres. Voilà, il a fait 1 million de kilomètres et il a changé une fois la batterie de sa Tesla. Bah, c'est là où je veux répondre à ta question. Attends, j'ai même pas posé la question. Mais tu l'as posé trois fois, ta question. Est-ce que vous pensez que c'est crédible que la batterie, il ait eu besoin de la changer qu'une fois? Il y a deux dans le micro. L'intérêt. C'est pas moi les jingles, je précise. Putain, ça va être long. Non, moi je voudrais juste poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à une voiture thermique? 50. Ça n'a pas un intérêt. Mais
Alors, ouais, moi j'ai une sous-question avant de répondre. Mais j'ai même pas posé la question qu'on devait poser. T'as demandé qu'est-ce qu'on en pense de devoir par changer la batterie. Par rapport à une voiture thermique qui est capable de faire un million de kilomètres. Voilà, c'est bon, je t'ai posé ma question, nique ta mère. Est-ce que j'ai droit de poser une sous-question pertinente? Est-ce qu'il l'a payé son changement de batterie et combien est-ce que ça a coûté dans mais ce cas-là? Mais bien sûr qu'il l'a payé, mais on s'en bat les couilles, c'est pas ça la problématique. C'est quoi la problématique? C'est putain, une voiture thermique, ça fait un million de kilomètres. Toutes. Toutes, et arrête de faire les... Non mais après si la Peugeot 309 ça fait plus jeune. Ça hein. Alors quoi? Si vous voulez ma mère m'a envoyé un message, ma mère qui a bientôt 50 ans et qui a dit juste il a raison, obsolescence. Voilà, c'est sa réaction. Et ta mère elle a parfaitement raison. Et ben madame Poff, franchement ben je reconnais votre intelligence parce que une voiture thermique qui a pas 3 ans ou 4 ans des productions modernes de merde, mais les vraies voitures faisaient 1 million de kilomètres. Et c'était pas rare de voir une voiture qui faisait 1 million de kilomètres. Au contraire, c'était un standard. Bah oui, certes, maintenant tu vas en Afrique millions, du Nord. Mais elle faisait 1 million de kilomètres. Non, mais maintenant tu vas en Afrique du Nord, tu retrouves des Renault 21 Nevada mais qui ont fait 3 fois le tour du compteur. Hein. Mais c'est... bien sûr que oui. Elles ont fait 3-4 millions de kilomètres. Et le pire, c'est qu'ils n'ont rien changé pratiquement. Quoi. Ils ont changé allez, le filtre à gasoil et machin. Ouais, il y a quand même 2-3 trucs à changer quand même au fur et à mesure. Bah, tu changes les freins. Là, par exemple, pour la Tesla, 1 million de kilomètres, tu vois, je suis plus inquiet pour la pompe du liquide de refroidissement des batteries que pour la batterie elle-même. Tu vois, c'est... Liquide de refroidissement même... Bah oui, dans une Tesla, tu as quand même un circuit de refroidissement. Un refroidissement pour les batteries. Pour les batteries, eh oui. Batteries ouais. Ah ouais. Oui, tu as quand même un petit peu de liquide. Outre le lave-glace, t'as un petit peu de liquide quand même à l'intérieur qui circule, et surtout du liquide de refroidissement en fait. Donc t'as quand même quelques pièces que l'on retrouve dans une voiture thermique. Qui sert d'ailleurs de liquide calorifique pour les réchauffer quand il fait trop froid. Aussi, exact. Oui, ça chère. En fait, c'est une clim. Justement, la question c'était ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à une voiture thermique? Alors, si je peux me permettre, moi, de mon point de vue de jeune qui a dans l'idée qu'une bagnole ça fait 300 000 bornes et pas un million, je suis pas choqué. Parce que là, techniquement, si tu me dis qu'il a dû la changer une fois. Dis... Mais mettons plus que 300 000, mettons qu'elle en fait 400 000 ou j'en sais rien, mais à un moment donné, tu vas la changer parce que les émissions, elles sont trop énormes par rapport au truc actuel, tu vois, ou ce genre non, de choses. Non, mais moi, du coup, ce qui est fascinant, c'est que toi, t'es en mesure de me dire que pour toi, c'est normal qu'une voiture fasse 300 000 km. Mais 300 000 km pour une voiture, ma voiture fera un million de voiture. De ce que, ma voiture fera pas plus que 300 000 km. Là, elle a 10 ans, elle en a pas fait 100 000. Jamais je vais la garder. Non, mais je parle pas du nombre d'années. Le nombre d'années, c'est encore autre chose. Je veux bien comprendre qu'une voiture, au bout d'un 10, 15, 20 ans, ait du mal à enchaîner. Non, mais si tu lui fais beaucoup de kilomètres, elle est censée dépasser le million de kilomètres. Ben, je connais personne si qui soit commercial et qui fasse des milliards de bornes comme ça. Je t'ai pas des milliards, je t'ai des millions. Oui, arrête de surenchérir. Il y a Barberousse qui n'a pas 20 ans, qui nous dit rien à branler du 1 million de kilomètres, tu gardes jamais ta voiture aussi longtemps, mais les autres éléments ont lâché, ouais. Non, la carrosserie a lâché, vrai. Les freins, le moteur, la direction. Non, mais je comprends la théorie de sur Kenton. Sur les voitures qui ont moins de 20 ans, ok, mais les voitures d'avant, bien sûr qu'elles faisaient 1 million de kilomètres. Alors bien sûr que tu changeais 2-3 trucs, mais on est d'accord que tu l'avais. D'un moment, t'avais l'habitat qui était plus étanche, quoi, tu vois, c'est l'inconvénient, quoi. C'est-à-dire que sur une bagnole qui a 20 ans, il y a plus aucun joint qui fait l'étanchéité du truc, quoi. Il pleut. Mais bien sûr que tu changes les joints de culasse, mais bien sûr. Mais pas le joint de culasse, les joints de l'habitacle. Tous tes joints de portière et tout, il y a tout qui fuit, quoi. L'habitacle, on a atteint un degré d'humidité incroyable. Mais c'est pas, elle fait du bruit. Le problème, c'est quand il y a de l'eau qui s'infiltre. Caracas. Le problème, c'est que sous la pluie, il faut que tu sois en maillot, quoi. Ils avaient des 300 bornes sous la pluie, tu as un tuba. Alors, ça marche aussi si tu fais juste 1 mètre, mais que t'as oublié de fermer ton toit ouvrant dans une voiture moderne. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je parle de toutes les voitures, toutes les portes fermées et tout, t'as quand même de l'eau qui s'infiltre et t'as de l'humidité, etc. Et c'est moi ce qui m'a fait changer mes bagnoles, en fait. Dans ce cas-là, vous me donnez un peu de d'huile à cuire pour ma question. C'est une expression de la vie. En fait, tu prends des mots, tu les mets ensemble et c'est random, en fait. Et là, ça fait une expression, on est censé comprendre de quoi tu parles. Non, mais si vous n'êtes pas. C'est marrant parce que vous me donnez des placards à fermer avec vos expressions. Oh, c'est Techcraft ou c'est P2P, là? C'est P de Craft. On a votre attention, c'est bon? Bon. Ça se passe ça. Donc je disais, si... Non, mais si déjà vous faites... Bah non, on nous abandonne pas. Non, mais si déjà vous faites barrage sur le fait qu'une voiture peut faire 1 million de kilomètres, dans ce cas-là, cette Tesla qui a fait 1 million de kilomètres en changeant juste la batterie,
ça alimente mon débat, hein, dans le sens où c'est miraculeux dans ce cas-là. Alors je sais pas, mais je veux dire, mettons ta voiture elle fasse 1 million de kilomètres, voiture thermique je parle, en admettant que ce soit un truc commun, il y a quand même des entretiens à si faire. Si ma voiture thermique fait 1 million de kilomètres, je n'ai pas dit que c'était dans l'état, c'est-à-dire qu'il faut changer une fois le joint de culasse, les freins je t'en parle même pas. La courroie de distribution, si c'est pas des chaînes que c'est une bande, faut la changer. Non mais voilà, il faut changer un nombre de fois des trucs pas possibles. Donc mais... a priori c'est pas si choquant que ça que du coup, c'est une pièce de grosse usure à changer. Merci qui a dit c'est même mieux. C'est moi. Voilà, merci Pof. Parce que dans ce cas, ça alimente un petit peu le débat. Dans ce cas-là, une voiture électrique qui, selon la news que j'ai lue, le monsieur n'a changé que la j'imagine batterie. Que c'est hors frein, balai d'essuie-glace ou je sais pas quoi. Oui, voilà, hors frein. De base oui, d'usure. Balai d'essuie-glace, les pneus aussi, il les a refait. Évidemment, parce qu'un balai d'essuie-glace qui passe un hiver, tu m'excuseras, mais à moins il habite en Lorraine ou pas. Mais, non, les miens, ils font plus qu'un an. Débat. Mais t'es un peu plus bas, t'es en Alsace, toi. Ouais, puis elle dort dans un garage aussi. En Alsace. Voilà, c'est ça. En Alsace. Viens en Alsace. Mais non, effectivement, s'il a changé, allez, on va extrapoler que les pneus, les freins, la batterie. Qui a fait un renouvellement des liquides de refroidissement et de bazar. Bien sûr. Voilà. Un truc de base, quoi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc en gros, il a changé 3 fois sa bagnole. Parce qu'on a fait une liste quand même qui est longue comme le bras, quoi, au bout d'un moment. Bah non, là, ça, on a listé des trucs qui sont littéralement à changer sur les voitures thermiques, pareil. Hein, ouais. Les liquides de refroidissement, de pneus, liés, freins et... L'autoradio trucs, Bah non, l'autoradio sur la Tesla, tu le changes pas. Ouais, je pense pas. Ça revient à changer de tableau de bord quand même. Quand tu veux changer l'autoradio sur une Tesla, tu renouvelles ton compte. Tu rachètes un nouvel iPad, c'est tout. Ou tu changes de compte, tu vas sur Spotify. Apple Music. Ouais, c'est ça, Apple Music. D'ailleurs, en parlant de ça, on est d'accord que ça reste quand même plus valable, quoi. Mini news sur le sujet, ils ont dit qu'ils avaient rajouté Netflix et un mode karaoké dans une dernière minute. Oui, mais seulement quand t'es à l'arrêt. Seulement à l'arrêt pendant les recharges. C'est complètement con, autant la mettre juste à l'arrière dans ce cas-là. Tu rigoles, des connards de gosses qui peuvent. Ah, mais tu peux pas parce qu'il y a un écran que sur le tableau de bord. Mais faut les mettre dessus là. Ah, pardon. Sur l'arrêt, tu mets quoi? Non, je disais que l'écran, c'est difficile de. Bref. Je connais pas la suite. En fait, l'écran est sur le tableau de bord, donc du coup, c'est pas possible de les mettre à l'arrière vu qu'il y a qu'un seul écran et il est sur les tableaux de bord. Le tableau de bord. Non, tu veux me dire que les marques comme Opel, Renault et je sais pas quoi, ils ont des. Non, mais là, ils l'ont fait avec une mise à jour. Ils l'ont fait avec une mise à jour logicielle. Donc peut-être que sur un futur modèle de Tesla, il y aura des écrans à l'arrière, on sait pas. Mais là, pour l'instant, ils ont rajouté. Avec des options, il n'y a pas l'écran sur les. Il n'y a pas l'écran à l'arrière. Ça me dit rien, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. T'as vu la taille de l'écran déjà à la base. T'es à l'arrière, tu vois le karaoké, quoi. C'est pas faux. Oui. Ouais. Je pense. Le petit bonhomme en mousse, c'est pinot. Ouais, parce que c'est quand même une espèce de tablette 13 pouces, donc. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que si déjà t'achètes une Tesla et qu'après t'écoutes Patrick Sébastien, moi je crois qu'Elon Musk peut revenir chercher des Tesla chez toi. Je veux cruiser en ville, tu vois, ouvrir la fenêtre et mettre la musique. Il va falloir qu'on lui fasse oublier cette idée. Avec l'effet Doppler, tu sais. Moi, le petit truc qui me choque quand même avec la Tesla, c'est que j'ai dans l'idée que c'est quand même un truc super cher et il me semble que c'est pas que dans mon idée, c'est que c'est juste super cher. Ça envoie de lourd, mon gars. Ouais, c'est ça. C'est minimum 55 000 euros, quoi. Dans l'idée, ouais. Alors minimum, pas pour le modèle S, enfin parce que moi je parle plus de lui. Le modèle le moins cher avec le moins d'options, il me semble qu'il est à 48 000 euros et en fait t'as pas l'autonomie intéressante. Pour avoir une autonomie intéressante, faut passer à 55 000. Ouais. Toujours dit-il que dans ma ville paumée de Moselle, j'en vois quand même assez souvent et partout. Est-ce que t'es sûr que c'est pas des Allemands? C'est allemand. Parce que t'es pas loin de la frontière. Selon les plaques d'immatriculation, c'est plutôt des Français, mais après, allemand ou français, je vois parce que ça change. Hein, mais... Bah, disons qu'ils ont. Peace and love, pour ainsi dire. Ils ont des routes pour aller vite dessus, les Allemands. Et ça change quoi par rapport au salaire? Parce que le problème, c'est pas tant de pouvoir rouler vite avec, le problème, c'était plus de l'acquérir à la base en premier lieu. Parce que, oui, comme dit Benzen, moi perso, à 5 minutes de chez moi, j'ai une route où je peux rouler à 240 km/h sans me faire arrêter. Hein. Parce qu'au contraire, on me dira « Oh oui, c'est bien !» Ça, c'est quand t'es fâché, ça. Voilà, mais j'ai quand même pas la voiture qu'il faut. C'est quand tu restes sur la voie du milieu, parce que sur la voie de gauche, ils vont un peu plus vite que ça. Oh là là, ils vont à 1 milliard.
Et à chaque fois, il dit 1 milliard quand il faut donner un grand chiffre. C'est la voiture que j'avais avant, j'avais testé hein, cette route. Je suis monté à 240 sur l'autoroute. 240, c'est le taquet, ouais, ce que la voiture pouvait donner. Ouais. Et à un moment, j'étais sur la voie de gauche et je vois au loin un point noir dans le métro. Mais qui se rapproche. Et là, j'ai fait des appels de phare. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une BM. Oui, voilà. Mais le truc rabaissé, le truc à fond qui me double. Mais genre, t'as l'impression d'être à l'arrêt avec la bagnole, elle est à 150, quoi. Et là, tu retournes, tu fais, bah, à quoi bon ? Voilà, c'est ça, elle devait être à, je sais pas, 300 km/h, j'en sais rien, quoi. Toi, ça tremble de partout, tu sais, t'as la oui, pression. Il y a Yannick Deck qui demande si en fait c'est pas la même Tesla, mais que tu vois plusieurs fois. J'aimerais bien, ça me rassurait dans le monde. Est-ce que tu as déjà vu les deux Tesla en même temps ? Est-ce que t'as déjà eu plusieurs Tesla en même temps ? Je pense vraiment qu'elles sont vraiment la même couche de peinture à chaque fois. Parce que c'est quand généralement, tu les croises sur la route, les Tesla, tu vois. Donc... Ah non, moi, il y en a des garés à côté de chez moi. Oui, mais toi, c'est parce que t'habites un quartier de luxe et que t'es riche. Hein, mais... Alors, attends. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose ? Voilà, j'allais dire, il essaie de communiquer avec les gestes, mais on comprend rien. J'ai montré les verres. Mais écoute, mais l'habituel, un petit Sky, mais pas trop. Vous êtes encore... Non, je vous remercie. Moi, je reste concentré sur l'émission. C'est à quelle heure, mon cher Mais à mon avis, il y a un quart d'heure de ça, Redscape devait nous rejoindre. Mais il a peut-être eu un empêchement. Redscape est là, je en fait. Je suis là, en fait. J'attends depuis tout à l'heure. Mais non, mais pourquoi tu l'as pas dit ? Parce que nous, on est dissipés. Mais parce qu'en fait, nous, on l'a dit dans le... Depuis tout à l'heure, surtout, vous êtes en train de parler d'un domaine qui me connaît, mais jusqu'au bout des doigts, et je suis en train de me marrer tout seul. J'ai une question. Est-ce que Karine doit venir ? À la bonne franquette, tu vois bien quoi fait Phil, tu vois bien, il s'incruste comme de rien, tu peux faire pareil. Ah ouais, je sais bien. Écoute, j'ai envie de te dire bonsoir, mon cher Redscape. Comment ça va ? Bonsoir, Kenton. Bonsoir à tous. Bah, ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir, Redscape. Excusez-moi une seconde. C'est l'introduction. Est-ce qu'il faudrait que Karine vienne avec nous ou pas du tout ? Ou elle est pas censée venir maintenant ? Parce qu'elle vient, mais si elle est cachée. Au contraire, Karine. Elle est cachée dans la back room et je sais pas si elle doit venir. Non, moi j'avais juste. Attendez, les gars, j'avais juste un truc moi qui me choquait tout à l'heure. Vous faisiez la liste là par rapport entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement sur un véhicule électrique. Bah, d'après ce que disait Phil, il y a des liquides de refroidissement de batterie. Ils me disent que oui. Il me semble que si, au niveau de la régulation thermique de la batterie, ouais. Ah, ça se vérifie. Donc c'est pas un liquide de refroidissement, c'est plus un système. C'est du water cooling quoi. Ouais, water cooling. Water cooling, un modèle cooling, c'est refroidissement, non ? Tu veux dire qu'en fait, c'est du liquid cooling, quoi. C'est pas un liquide de refroidissement. C'est pas un liquide de refroidissement. C'est du refroidissement comme... liquide, mais c'est pas du liquide de refroidissement. Voilà, c'est bon. Je vois bien où tu veux en venir, mais non. Attends. Me cache pas les jingles, s'il te plaît. J'en avais un parfait. J'ai rien fait, moi. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais non, mais c'est pas méchant. C'est méchant. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Je l'ai entendu. Et pendant ce temps-là, ça picole. Non, alors là, c'est surtout des problèmes techniques pour faire parvenir le liquide, tu vois. Voilà, il essaie de passer la porte, mais apparemment, je suis devant la porte. Mais, enfin, ceci dit, effectivement, c'est quand même d'avoir eu des véhicules qui passaient avec plus d'un million de kilomètres de véhicules thermiques. Ah, merci. C'est extrêmement rare. C'est pas vrai. À tel point... Enfin, non, mais attendez. À tel point, à tel point que... C'est Volvo. Alors, il y a eu deux marques, Volvo et Mercedes. Volvo, c'était sur une Volvo des années 60, un modèle quasi incroyable. Mais arrête, c'est pas vrai. J'en ai vu plein des bagnoles qui ont fait un million de kilomètres. Mais est-ce que tu pourrais laisser parler, s'il te plaît ? Non, il y a très peu... En fait, il y a très peu de bagnoles et surtout, il y a très peu de marques. Il y a Volvo, il y a Honda, il y a Mercedes. C'est sûr que tu ne vas pas me dire Renault et Peugeot, là je te comprends si, pas. Si, justement, il y a eu une Renault. Oui, à tel point... c'est sous le camion du dépanneur. C'était le premier Scénic. À tel point qu'ils ont offert au mec la toute dernière Scénic, quoi. C'est-à-dire le Scénic avait dépassé les 1 million. Si le mec est venu au garage pour faire l'entretien, ils ont fait je suis désolé, on a plus les pièces, on vous paye le nouveau. Mais c'est tout bête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton moteur, tu sois sur un moteur qui soit un très bon moteur de base et que derrière tu fasses un entretien qui soit le plus régulier possible en changeant à chaque palier tes pièces comme la des courroies de distribution, ce genre de choses là,
ton moteur, tu peux très bien aller jusqu'à 1 million. Il y a des spécialistes, hein, Honda, ouais, qui sont un des meilleurs motoristes au monde, peuvent faire ça sans problème. Je dis pas que c'est pas possible, mais à un moment donné, quand on revient à avoir changé tous les joints des blocs de soupape, que tu as démonté tout le moteur 10 fois, est-ce que vraiment non, ça a encore une nécessité de démonter le moteur spécifiquement? Tu peux, t'as des moteurs qui ont été conçus dès le départ pour durer. T'as des moteurs qui sont jetables, et c'est malheureusement, ça a été malheureusement une maladie entre les années 80 et les années 2010, où les moteurs était de plus en plus jetable, mais dans les années 60-70... C'est pas vrai, t'as le TDI 110 de chez Volkswagen qui est une référence. Qui est une référence, t'as aussi le 1.9 DXUD de chez Peugeot Citroën des années 80-90 qui était une référence également parce c'est qu'il même, était incroyable. C'est le même, non, c'est pas ils le ont même. Partagé les plans, arrête. Entre le 1.9 diesel et le 1.9 TDI de chez Volkswagen, je suis pas sûr, pas tout à fait, parce qu'il y en a un qui est un peu avec injecteur pompe, mais bon. C'est le truc qui bah, je sais que vous avez partagé à un moment un truc, après je sais pas quoi. Théorie du complot. c'est Benzen hein, qui contrôle les jingles là. Slow nous dit que de toute façon, 1 million de kilomètres avec la même voiture, ça fait déprimer. Ah, ça, c'est une autre chose. Ah, ouais, tu veux dire qu'il n'y a plus de prime sur la voiture quand t'as fait 1 million de kilomètres? Ça, c'est oh, bien que t'es heureux avec Peugeot, mais... Oh, je suis con. Je le fais à la main. Merci. Alors que... Alors voilà. Que tu as le tout sous les... Sous la main. On sent que jingle... Enfin, on sent que Benzen a les jingles sous la main. Hein. C'est... Il en profite. Hein. Ouais, ouais, ça m'arrive pas souvent. Effectivement. Ah bon? Bon, ceci dit, Rescape, on est content que tu nous aies rejoint. Bon, Karine nous entend pas. Oui, Karine, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il était question de Karine, elle est où? Bah, elle était dans la backroom, hein, sur le Mumble. Et, mais je sais pas, je vois plein de trucs, Karine, si une sous-preste et machin donné, et tout, mais je la vois pas dans la liste. Je pense qu'elle te fait la gueule. Il y a qui là? Il y a Pof, ça j'ai entendu. Karine, elle est là, Karine, démute-toi, s'il te plaît, viens nous rejoindre. Non, le problème, c'est que si elle ne t'entend pas, elle va pas pouvoir. Phil est là? Phil est parti s'allonger parce qu'il est toujours en redescente sciatique. Donc du coup il est parti s'allonger 5-10 minutes, donc il est dans le chat, il nous écoute. D'accord, très bien. Là il est en train de dire à Slow qu'il aimerait pas être sa femme, je comprends pas pourquoi. Quoi? Bah, je non, sais pas, allez regarder le chat, c'est pas personnellement, mais ah là 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 là. Et sinon, et bah, du coup, on a l'équipe Cholet là qui est à moitié en train de dormir apparemment. Si il y a juste Hirslo d'ailleurs devant son et téléphone. Et on l'embrasse s'il nous écoute et il nous fera un coucou à la caméra. Yes! Ah, si, il nous fait un coucou! Salut Hirslo! Enfin, je crois que c'est Hirslo. Ouais. Vu la définition. Ah oui, c'est vrai. Il fait un peu de définition, je suis désolé, on a douté. On peut vous voir quelque part? Bah sur podnuit.fr. Oui, théoriquement, on devrait être présent sur podnuit.fr. Non, de toute façon, live.techcraft.fr, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. En ce moment, et sinon, le live général. Tu me verras assis sur un vieux tabouret. Karine n'est plus mute. Karine, nous avons besoin de toi. Ah, Karine. Kenton a désespérément besoin de toi. Karine. Ah, Karine, 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 dentiste, Karine, dentiste. On t'avait pas assez entendu ce soir. C'est l'introduction. Encore. Bonsoir, Karine. Bonsoir. C'est pas bonsoir, moi qui ai le jingle, je te le dis d'avance. Hein. Karine, est-ce qu'il y a Draven dans la pièce d'à côté? J'ai bien fait de le préciser. Oui. Ta main. Oh, il y a Draven aussi. Salut, Draven. Attendez. Il y a vraiment Draven en plus. En fait, vous nous prenez de court. Nous, on était venus pour... Mais nous, plus on ne fait pas ça déjà. Mais on avait tout préparé, c'est pour ça. Mais oui, Draven est là, avec moi. Coucou Draven, ouais, coucou Karine. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Coucou Draven, sache que ton ampli, ton histoire d'ampli, elle m'a traumatisé cet après-midi. C'est vrai? Ouais, tu m'as accompagné pendant mon ménage et ça m'a traumatisé. Même que j'avais envie de retrouver le mec et de lui mettre un flingue sur la tempe aussi. D'accord. Et c'est quelle bonne comme méthode. Ça, prêt à rendre service. Parce qu'un jour, je te raconterai une histoire, ça m'est arrivé quand j'avais même pas 10 ans, un flingue aussi comme ça. Ah merde, ouais. C'est vrai, d'accord. Ça a l'air sympa comme histoire, dis donc. Ouais, c'était jour. Dans les favelas à Rio en 79. J'ai un flingue sur la tombe de mon papa et j'ai fait quelque chose qui m'a peut-être sauvé. Nickel. On passe une bonne soirée. Sans moi de lourd, mon gars. Non, moi je te le fais pas dire. Bon, sur ce, sur un ton un peu plus sérieux, monsieur Bière, est-ce qu'on a un correspondant avec des news ou... Alors attendez, le correspondant, il faut qu'il reprenne ses notes, là. Parce que c'est pas comme si je crois qu'on a un problème de connexion avec notre correspondant à distance. Oui, absolument, je suis disponible. Hyper bossé pour StackCraft. Hein, on a pas parlé déjà. Bon, Karine, Draven, comment ça va? En attendant que. C'est bon. Ah bah voilà, ça va super donc, bien. Non, c'est bon, t'es gueule.
Oui, oui. Je t'en prie, c'est un plaisir. Ah, ça va. Mais qu'est-ce qu'il a lancé là? Il lance 50 trucs, Benzen. Je lance plein de trucs. Tu peux en lancer 3 en même temps. L'abus de jingle est dangereux pour les... Yes, ça marche. Oh là là. Oh. C'est horrible. Sors. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai un compte Spotify dans les mains et je peux m'en servir à n'importe. Oh. La mauvaise idée. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il a? Ah, oh, attends, j'ai une idée. Non, mais j'ai réussi à lancer trois jingles avec deux doigts seulement, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est un... Disais, Karine, Draven, comment ça va? Là, du coup, ils sont partis, tu vois, par exemple. Ils ont pas envie de te répondre la dernière fois qu'ils ont répondu, tu leur as dit ta gueule, donc... Ah, la France. Notre correspondant, Monsieur Bière, en direct de... Écoutez, on est tout à fait en direct d'une zone rurale. Bon, je rêve ça parce que c'est chiant à tenir. D'une zone rurale. D'une zone rurale, toujours, on continue un petit peu. Ah, les campagnes, les petits villages, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, et parfois même, il n'y a même pas de bus, il n'y a même pas d'intercommunal. Donc, on n'a que la voiture pour se déplacer. Mais comment faire quand on n'a pas de voiture? La téléportation quantique, mon cher. Téléportation quantique, bon, c'est encore un truc de jeu. On a fait une photo récemment. C'est un truc de la métropole, ça. Monsieur Einstein se serait retourné dans sa tombe et alors... Ah, mais j'ai vu cette photo de... Monsieur Schrödinger, alors il aurait fait quoi de son chat? Mais est-il mort ou est-il vivant, monsieur Schrödinger? Il n'est pas entre quatre planches. Monsieur Schrödinger, il est bien mort, mais son chat, on ne sait pas encore. En tout cas, comment faire quand on n'a pas de voiture? Attends, oh! C'est pour répondre à ce problème que Vincent Desmas a créé Atchoum en 2017. Tes souhaits. Atchoum. Gesundheit, comme on dirait ici. Et oui, en effet, Michel, c'est une supposée d'utilisation dramatique. Pas comme ça qu'ils étaient en Groland. Oh, c'était génial. Je me suis retrouvé dans cette situation à titre personnel en 2015, et c'est là que l'idée a germé. Raconte cet ancien chef d'entreprise installé dans la région aixoise. Alors, la start-up Atchoum, basée dans l'arrière-pays de Toulon, bien sûr, Côte d'Azur. Comme Babito Toulon. Bien sûr. Oh mon dieu. Il me cache les jingles. À chaque fois, il me cache les jingles pour que j'en vois rien. Quoi. La startup Atchoum met en relation des habitants de petites communes de moins de 3500 habitants qui ont besoin ponctuellement d'un moyen de transport et de conducteurs proches de chez eux, prêts à se rendre disponibles. Est-ce qu'on serait pas un peu en train d'ubériser les petites communes? Bah carrément, monsieur. Mais le mot est lâché, bien entendu. Alors, comme sur Blablacar ou Uber, l'utilisateur il peut réserver son trajet en avance sur une plateforme de réservation en ligne ou sur l'appli mobile, mais aussi via un centre d'appel téléphonique. Toulouse Matavio. Toulouse Matavio. J'aime beaucoup ces épisodes, d'ailleurs. Oui. Tout le monde n'a pas un smartphone ni une bonne connexion Internet, surtout dans les zones rurales isolées, rappelle Vincent Desmas. Et pour cause. Les personnes âgées, peu familières avec les nouvelles technologies, font partie du public cible d'Atchoum. Les jeunes sans permis et ou sans voiture qui auraient besoin de se déplacer pour passer un entretien d'embauche ou aller au travail font aussi partie des utilisateurs fréquents du service d'Atchoum. Excusez-moi une seconde, monsieur Bière. Vous êtes en train de me dire que les gens qui ne sont pas familiers avec les applis Internet et les usages d'Internet en général sont les clients cibles attention, d'une appli. Attention, on vient de passer des Pyrénées à la Côte d'Azur. Là, ouais. Tout va bien. D'accord. Ok. Non, mais parce que là, à l'instant, tu disais que une des cibles, c'est les jeunes. Bon, là, d'accord. Mais l'autre cible, c'est les vieux. C'est les personnes moins jeunes et moins familières avec Internet. Bah écoute, il va bien falloir qu'elles se sortent les doigts du cul un moment. Très bien. Continuez, je vous en prie. Et qu'elles prennent leur petit smartphone, là, Android, SFR, tu sais, la 3.1, la Android sous-marque 3.1, de merde, crois, là, ouais, le, c'est ça. Le Wizy. Le WeQ, ouais. Mais moi, j'ai pas Orange, j'ai un Android, monsieur. Je comprends pas, j'ai un iPhone. Je comprends pas, ça marche pas. J'ai un iPhone sur Android. J'ai double-cliqué sur l'application, elle a disparu. J'ai cliqué sur YouPornon, porn. Je comprends pas. Il y avait des madames à toute tenue. On m'a pirataqué. Oh, d'ailleurs, tiens, ça se pourrait faire... Pirataqué, ça sonne bien. Ça pourrait faire sympa dans le dictionnaire. Après, divulgaché et balade de diffusion. Oui, voilà. Fais pas ça, parce que... Pirataqué. Comment il s'appelle, là? Les Français là qui. L'Académie française. L'Académie française. Bah oui, pire attaqué, c'est bon. Pire attaqué, en vrai, ça sonne super bien. Tu l'as validé, mec, tu l'as validé. Bah, je l'ai pire attaqué, ça veut dire pire attaqué, mais je vais leur proposer direct. Pire attaqué. Voilà, donc tout ça pour dire que, quant aux conducteurs, ce sont essentiellement de jeunes retraités, ayant envie de rendre service à leurs voisins ou même des non-retraités qui sont prêts à covoiturer, ou plutôt
à court voiturée. Oh, j'ai pas compris. Mais pourquoi court voiturée? C'est un trajet court. Ce qui dit la news, c'est tout. Pour leur trajet du quotidien, le trajet est rémunéré à très faible prix, entre 20 et 35 centimes selon la distance parcourue. Ouais, donc soit de la maison jusqu'à la boulangerie, à mon avis. Soit niquer ta mère, quoi. C'est à ce prix-là. Putain, mais respect, quoi. Pour rester un moyen de transport solidaire. 35 centimes, mec. Mais sans être un coût pour les volontaires. Ta mère, elle me paye plus, quoi, là. Continue cette phrase. C'est pas qu'elle donne. Je suis désolé, nous allons être prochainement indisponibles pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. Nous passons afin de préserver les audiences jeunes. Demandé n'est pas accessible. Afin de préserver les jeunes audiences, nous allons projeter une image fixe. Pour financer le service, Hatchoum propose aux collectivités qui souhaitent être référencées dans la plateforme un abonnement à 50 euros par mois pour chaque 1000 habitants. Une fois l'abonnement pris, le service est accessible aux habitants de la commune. Le marché est conséquent puisque les communes de moins de 3500 habitants représentaient environ 33% de la population française selon une des statistiques établies au 1er janvier 2018. Voilà, voilà, voilà. La start-up va plus loin et ambitionne de s'implanter sur tout le territoire. La solution répond à un vrai besoin, mais nous avons besoin d'aide pour nous développer. Et là, j'adore, tu sais, les petits mots que les journalistes mettent enfin à bon entendeur, trois petits points. Ouf. Ou alors, t'as souvent, en clôture d'article, t'as parfois « gageons que ce service, gageons ». Gageons. Gageons que ce service Goujons. Saura faire des émules. Émules rapport au téléchargement qui n'a aucun rapport avec l'article, bien sûr. Non, mais alors déjà, tu es en train de faire une référence que la moitié de nos auditeurs vont plus rien comprendre. Tu veux dire qu'on va arrêter là maintenant? Oh, il est 1h du matin. Merde! Ciel. Eh ben écoutez, on a terminé. J'essaie de faire ça en discret. Non mais parce qu'on a commencé avec une demi-heure de retard. J'essaie de faire ça en discret, mais tu m'as. Les vérités du direct. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Mais je vous ai pas parlé du boîtier connecté pour faciliter l'intervention du SAMU en campagne. Eh ben, si tu veux, on peut avoir une demi-heure de rabat. Je suis désolé, c'est la fin du temps réglementaire, ça va pas être possible. Non, je peux faire très rapide, grosso modo. C'est une start-up d'un patelin. Il était une fois. Non mais prenez votre temps. Vous êtes pas obligé de faire pile une heure ou pile une heure et demie. Vous pouvez faire 1h12. Si on rend l'antenne à 1h ou à 1h30, est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que t'as répondu déjà? 1h30 ou pas? On peut continuer toute la nuit si tu veux. Dit-il en buvant son verre. En fait, le truc, c'est nuit, que, putain, tant que tu les préviens avant pour qu'ils puissent reprendre l'antenne, je pense qu'ils s'en foutent que ce soit là tout de suite ou. Là, ils sont pas prêts. Alors, là, tout de suite, à mon avis, ils sont moyens prêts. La vidéo de contrôle, il n'y a aucun un casque, donc même si je disais. Attention, on vous donne l'antenne! Si, je crois qu'il y a Arnold Fly. Il y a le feu dans le couloir! Il y a le feu dans le couloir, je vous dis! Il y a le feu dans la cheminée. Puisque je suis il y a le feu dans la cheminée. Mais vous voyez, il y a Flag qui vient de dire qu'on entend. Dis donc. Et Karine et Draven, ils sont encore là ou pas? Non, ils sont vexés. Si, oui, ils sont là, mais ils nous écoutent plus parce que tu les as insultés tout à l'heure. Oh, mais... Ah mais non, enfin, mais non, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, j'aurais juste dit ta gueule. Comment ça se passe? Je lui ai mis une claque, c'est bon. J'ai vu, mais c'était une claque amicale, tu vois, je veux dire. Attends, mais s'il te plaît, pas Karine, elle me connaît, quoi. Non, mais elle s'est mute. Ouais. Comment elle fait ça fière? Et t'as vu, et si tu passes la souris sur son nom, il y a marqué je ne parlerai plus jamais à Kenton. Franchement, c'est à moi d'abord, et chacun son tour, non mais. Ah oui, alors news suivante. Les news en bref! Les news! Non, attends, voir, excuse-moi. La 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 la. C'est les news en bref! C'est les news en bref! En bref, Je veux pas vous dégoûter, mais moi j'ai tout en stéréo. Oh, mais oui, bah c'est très bien, monsieur. Privilège de monsieur, j'ai le THX là dans mon casque. Et bah très bien, monsieur Atmos. Pour les petites couilles de TechCraft, hein, vu que tout le monde s'intéresse à ça, c'est-à-dire que mes deux compatriotes à qui j'ai soigné la qualité sonore n'ont qu'un seul côté du casque qui émet du son. Donc, du coup, si je passe ce son, il va être tout pourrave a priori. Est-ce que ça fonctionne? Non. Putain. T'as les trois télé. On l'a entendu. Ah, THX. Trop cool. Alors, c'est-à-dire que je peux pas l'avoir THX en stéréo parce que tu fais ça à travers un micro mono, mon cher ami. Je sais. Ce qui est dommage. Ah, ça marche, par contre. Merci le THX en mono. Tu passes en merci plus. Il a fallu l'image pour voir. Oui, attends. On les rapproche un tout petit poil. Voilà. Oh là, expérience. Expérimentation. Vous êtes sûr de défoncer tout le setup en direct. ASMR sur TechCraft, apparemment. Oh putain, il lève les pieds de micro, mon gars. Il faut que vous voyez le live. Vous venez d'obtenir une demi-heure et là, vous faites du THX. Non, mais c'est ça. Ouais, super. Vous avez vu les 4 conseils sur le podcast, comme quoi il fallait faire des trucs radiophoniques? Ah oui, il faut boire de l'eau, mais nous, on n'a pas bu de l'eau, justement. Oh, tu parles. Justement,
Il a pas bu de l'eau, c'est pour ça. Arrête, c'est dommage que j'ai pas le son en stéréo. Désolé. Quoi. Ça aurait été cool en stéréo. Est-ce que je peux le faire avec le petit bonhomme en mousse? Non, non, tu peux pas. Il y a des limites à ce que la science peut supporter comme expérience. Je m'excuse, mais j'envoie vers l'autre console en mono, donc... Non, je suis désolé, l'éthique nous empêche ce genre de choses. Ouais. L'éthique est à... Bref, ah bah voilà, nous en bref, reprenons le cours de notre émission si vous, vous, voulez, si vous le voulez. On si va très bien, monsieur Stéphane Bern, allons-y. Je suis désolé, je saurais pas faire de voix parce que j'ai pas trop l'habitude de les entendre. Je suis vraiment désolé. Parle dans ton micro, c'est tout ce qu'on veut. Écoutez. Ok, alors il est le président du RBR. Alors j'ai reconnu Jacques Chirac, mais yes. Je saurais pas la refaire. Manger des pommes. Non. Oui, alors je me permets de vous le dire en tant qu'ancien président de la France. Non, ça c'est pas Chirac. C'est Hollande. Non, c'est Hollande. C'est Hollande, pardon. C'est... J'ai failli hésiter avec Sarkozy, tu vois. Écoutez-moi bien un peu, monsieur Benzen. Ça c'est plutôt ça. Ça c'est Sarkozy. Voilà. Voilà. La différence est subtile. Hein. Oui, alors. Oh, bah, hein, s'il te plaît, quoi. T'es président, sûr. Socialiste. Voilà, ça c'est. Ouais. Mitterrand. Mais non. Vous m'avez pas reconnu. Ah, oui. Non. Allez, non, ouais, là, non, là, d'accord, je l'avais, ouais, effectivement. La France libérée. Ah, ils sont tous autour de la table. Hein, oh merde. Lâcher le relais. Ah, ils sont prêts, là. Non. Et non, mais sinon, on fait meuble avec la poire en deux. On finit à écart, comme ça. Ça leur laisse 10 minutes pour être prêts. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, messieurs Toulousain, monsieur. Éventuellement, un canard, ça marche aussi. Nous, on est là. Alors, vous faites un signe, bah, ça fait plaisir. Ok, donc finissez. Un signe, je sais pas le faire. Finissez avec nous. Non, mais je peux vous faire un canard. On a le temps, on va se servir à boire tranquillou. Mais voilà, servez-vous à boire. Oula, et vous servez aussi les décibels, mes chers amis, parce que vous saccadez et vous saturez tout. Ouais, vous avez un peu un son. C'est vrai. Comme ça, c'est parce qu'on est dans un son un peu Oui, alors, bonjour, bien bienvenue. Non, je sais pas pourquoi. Alors, non, mais priori, là ça va, il y a pas de tout à l'heure, c'est bon off et du coup on a relancé Mumble et c'est direct. Mais maintenant là, ça va. Attendez, moi je vous entends très bien. On a JN Water. Tu voulais nous parler de quelque chose, mon cher JNBR? Non, mais c'était pas. Mon cher JNBR, tu voulais nous parler de quelque chose? J'ai pas l'impression de me faire flouer. Que se passe-t-il? Tu disais parce qu'on n'a pas fait le focus. Oh, espèce de focus. Ah, oh, le focus, quoi. Allez, vas-y. Ouais, non, en fait, est-ce que vous avez déjà erré en centre-ville? Genre, vous recherchez une adresse très spécifique, un restaurant, un bar, peu importe. Est-ce que tu te rappelles où j'habite, quoi? Je veux dire, je fais trois pas et j'ai. Ok, mettons, tu t'es baladé dans une vraie ville une fois dans ta vie. Tourcoing. Tourcoing, par exemple. Bah, j'étais bien près de chez toi à Strasbourg. Hein. Voilà, bah, par exemple, dans ce genre de village. non, enfin bref. On parle de Google Maps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser genre en centre-ville? Mais genre, tu te retrouves avec un espèce de carrefour bizarre, dégueulasse, avec des sorties dans tous les sens, et t'es jamais trop sûr de laquelle exactement. Prenez il faut la première sortie à droite. Voilà, c'est pas ça. Celle-là, non, celle après. Oui, voilà, c'est ça. C'est genre la deuxième sortie à droite, puis la troisième sortie à gauche. Prenez à droite, tout de suite. Waze sur Paris. Quand ils ont les, tu sais, les. Ah, quel enfer. Ils ont une espèce d'autoroute au-dessus d'une nationale, comme ouais. Ça, par des machins. Et du coup, le GPS ne sait plus où te placer. Mmh. Et il te dit prenez à droite. Et toi, t'es là sur la route, t'as pas de alors, droite. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis venu tout à l'heure, parce qu'il m'a dit prenez à droite, mais restez à gauche. Et j'ai fait what? Ah, t'es sorti à Frémin. C'est ça. Non, je suis pas sorti à Frémin. C'était à la sortie du Forbach Centre. Et en fait, là. Ah, merci, on avait déconné. Bah, j'ai pris celle d'après. J'ai fait demi-tour. Non, alors, je me suis planté tu le jingle. Planté en fait, le jingle, mais. C'est nul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est mal indiqué. Non, là où je voulais en arriver, c'est qu'en fait, Google Maps va pouvoir vous sauver la vie maintenant sur Android et sur iOS. Alors, j'avais l'option. Les handicapés aussi seront couverts. Alors, attends. Juste une seconde, je m'excuse, mais du côté toulousain, quelqu'un martyrise son clavier et ça fait plus de son que nous avec nos micros. Non, alors, ça fait non, des non c'est pas nous, c'est sur le Mumble, mais c'est pas nous, donc c'est peut-être Escape. Vu que les ah, autres c'est sont peut-être mieux. Moi, oui, c'est peut-être moi, désolé. Des bisous, Redscape, en fait, c'est pas grave. T'as un très bon micro, Redscape, hein, on t'entend vraiment très bien, je trouve ça... Trop bien, même. Non, mais vraiment, ça m'intéresse, tu me dirais quel micro t'as, parce que ta voix est vraiment claire. Alors, vas-y, mon cher ami. C'est vrai qu'ils nous attendent tous à côté... Ah non, mais tu peux pas arrêter un jingle en plein milieu comme ça. Oh non, le masque. C'est cruel. The last man. Le truc inutile. The last man. Le truc inutile. The last man. The last man. Le truc inutile. The last man. C'est surtout que ce monsieur qui fait ce jingle, c'est l'un des plus anciens chroniqueurs de Techcraft qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Il n'est pas mort, mais c'est tout comme. Général de Gaulle. Enfin bon, bref. Ceci étant, Google Maps, ouais, j'ai
En fait, c'est pas une nouvelle news, hein. On a mis des jingles, mais c'est la même news qu'avant, c'est juste la fin de la news, la chute en fait. Google Maps va vous proposer à partir de genre demain, à partir de genre demain, de faire de la réalité virtuelle dans Google Maps pour vous orienter. Je l'ai déjà. On n'avait pas ça à Street View, je sais pas. Je l'ai depuis un mois à peu près. Mais j'ai le Pixel aussi. Ah, mais c'est un bêta tester. Mais attends, mais ça n'était pas dans le cardboard depuis le début, ça, cette histoire de réalité virtuelle dans Google Maps? Dans le cardboard peut-être, mais là on parle de genre Android standard et même sur iOS. Ah, non, mais standard. Ça y est de base, je t'ai envoyé les captures, rappelle-toi. Je t'ai envoyé des. Je partais de chez toi, je t'ai envoyé des captures d'écran. Il est 1h08, c'est bon. En te disant, regarde, ils ont activé la réalité augmentée dans Google Maps, c'est rigolo. Sur Android et iOS. Tu te fais un itinéraire et tu peux choisir de. Te balader en réalité augmentée, ouais, en quelque sorte. C'est vraiment bien fait. View. Ouais. Et du coup, il te présente des flèches, tu vois, sur les orientations. Il va utiliser Street View pour reconnaître l'endroit où tu es et t'indiquer, bah là-bas, tu vois, là-bas au fond, tu tournes à droite. Il va te mettre une grosse flèche avec le via il ta caméra. Il te dessine le chemin sur le sur la route. Exactement. Et il te met les panneaux à l'endroit où tu dois passer. Ça serait pas un peu Black Mirror. Il a couvert la distance. Mais c'est pas tellement 2009 la réalité augmentée. Non, pas ce truc-là. Cette fonction-là, elle était. Non, mais je veux dire, le concept. Il y a pas très longtemps. Et là, alors, le truc, c'est que la réalité augmentée, c'est effectivement un truc de 2009, sauf qu'en 2009, c'était plat. Alors que là, on arrive à mettre des trucs dans l'espace et les garder vraiment à la bonne hauteur, au bon endroit. Moi, en je 3D. Me promène pas dans l'espace tous les jours. Quoi. Donc, du coup, ta gueule. Oh, bah, écoutez, parce que tu vis dans un monde de vous avez peut-être. Vous avez décidé de grandir. De l'enfant qui est en vous, il est où Il est où, papa? Le monsieur, il fait ASMR et il ne va pas dans l'espace. Quoi. Oh ah, c'est merde. Et c'est sur cette chute que nous vous quittons. On a fait ce qu'on a pu. On est vraiment désolé du résultat. Cordialement. Est-ce que, les messieurs de Cholet sont là pour prendre le relais? Faites un signe de la main, on vous entend. Faites du bruit, Cholet. Putain, mais c'est instantané, c'est incroyable. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes là en audio, mes chers amis? Eh ben, je pense. Je n'entends pas. Vous êtes un peu faible, mais vous êtes là. Donc, dans ce cas-là, je vous propose qu'on fasse la transition. Qu'est-ce que j'entends? Faut pas faire le relais avec le. Tu sais, c'est qui les gens de la console? Tu changes les écrans? Ah non, je jongle avec la console, je fais. Ah, tu fais des transitions de son. Oh, mais c'est un truc de malade. Ouais, non, on a. Et moi, on reçoit super bien depuis l'Allemagne. Ah, ils parlent loin, les mecs. Bah, si, franchement, ils parlent bien chez moi. Moi, ça m'a l'air loin. Ah oui, ok. Ils sont très, très, très loin. Ils sont très, très loin de chez nous, mais c'est pas grave. Et on n'est pas en Allemagne, pour que tu saches. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de TechCraft en série. Ça va ressembler à rien, mais c'est pas grave. Il avait tout de même plus de classe que l'Epodemy 2018. Il y avait du cœur. Le tacle à la carotide. Toi, tout le monde très loin. Parce que tu hurles dans ton micro. En fait, c'est parce que tu es très loin. Ah là il remonte. Ah oui voilà, c'est le docker qui fait qu'on les entend pas. D'accord, bah bravo. Eh bien, ça nous a fait plaisir les amis. C'est ça, on vous remercie d'avoir écouté ce TechCraft hors série. Oui. Hein. Et en même temps t'as rien raté. Oui, parce que je pense que je vais courir juste après sur la chaîne YouTube pour supprimer ce live. Non, mets-le en privé. Mets-le en privé parce que moi je veux bien le récupérer pour le replay après. Parce que ça je sera meilleur bien, que ce que nous on a capté. Un backup, mon cher ami, pour toi. Ah, bah, tout va bien alors. Voilà. Attends. Et que je vais pas le couper demain matin parce qu'on sera en train de dormir, donc théoriquement il sera en route jusqu'à midi quoi. Nous on va aller faire les cons IRL parce que voilà. Je pensais que c'était faire les courses. Alors titre, mais du coup vous partez, vous participez plus aux émissions derrière? Non, on va. Alors en tant que régisseur, est-ce que vous pouvez couper Hangout complètement du coup de votre côté? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dû couper le. Il a dit qu'il faut sortir de Hangout. Ah oui, sors, la clé, cidre. Raccroche. Mais lui, il est jamais dedans, lui, c'est celui qui a la clé. C'est raccroche, t'as l'ordinateur? Tu as reçu les photos? Mamie, clique sur le téléphone rouge. Bon, tout le monde, on sait pas vraiment, on comprend rien. On va faire la fin. Voilà, s'il vous plaît. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode hors série de TechCraft. Encore une fois, je n'étais pas seul. J'étais avec monsieur Julien, la personne qu'on applaudit. Voilà, et monsieur Benzen, et sur ce, on vous dit à plus. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. SoundCloud.com. Slash HTTPS. Tu veux slash, slash. Une Bratislava.
Thank you.